produire cette soirée, donc qui fait partie d'un ensemble avec un thème bien précis d'une grande importance. Voilà, alors donc Ivry agit pour le climat, c'est une dynamique qui s'est engagée sous la co-responsabilité de l'adjoint au maire Clément Péqueux en charge de la ville en transition et de Bernard Prieur qui est en charge de la démocratie. Et donc ils ont tous les deux rapproché leur délégation, leur champ de responsabilité pour construire un moment de mobilisation très important avec toute la population qui va se dérouler en plusieurs étapes. Une première étape dans laquelle nous nous situons ce soir, qui est l'étape des ateliers. Il y a eu 8-9 ateliers thématiques sur des questions précises. Ça permet aux habitants de formuler des propositions, et ça, c'est très important. Il y aura ensuite un temps qu'on appelle un temps de ruche, c'est-à-dire le moment où on va travailler l'ensemble de ces propositions pour mesurer leur réalisme et la capacité qu'on pourrait avoir à les mettre en œuvre. Ensuite, il y aura un temps de consultation populaire sur Internet notamment, où toutes ces propositions seront soumises au vote des citoyens qui diront lesquelles ils voient devoir être appliquées prioritairement. Et ensuite, il y aura un grand moment, une grande assemblée citoyenne qui aura lieu le 4 décembre, qui, je dirais, gravera dans le marbre, entre guillemets, pour autant que cela se puisse faire, les propositions qui seront arrivées jugé prioritaire par les habitants et pour une mise en œuvre après dans le projet municipal et avec des moments dans les années à venir d'évaluation de l'avancée de ces propositions. Voilà un peu la mécanique telle qu'elle est lancée. Et ce soir, un thème particulier, la densité urbaine. Alors c'est le thème, je dirais, c'est le thème à la mode. Dans tous les débats qu'on peut avoir sur tel ou tel projet urbain, on nous parle toujours de densité. Alors densité, c'est quand on est de bonne humeur, mais quand on est de moins bonne humeur et qu'on a une vision critique, on parle plutôt de bétonisation en général. C'est plutôt le thème qu'on entend régulièrement. Or, à Ivry, on est confronté à plusieurs événements, plusieurs éléments. Le premier élément, c'est qu'on est une ancienne ville industrielle qui a donc connu la désindustrialisation dans les années 80-90, qui a libéré dans beaucoup de secteurs de la ville de très grandes parcelles anciennement industrielles. Je pense notamment au grand site Total, etc., etc. Et face à cette libération des sols, on va le dire comme ça, on avait deux hypothèses. Celle de laisser la promotion immobilière et la spéculation faire son œuvre, essayer d'en tirer le meilleur profit. Ivry, qui est un peu une ville centrale, on va dire comme ça, et qui est très proche de Paris, relativement bien desservie par les transports en commun, mais ça pourrait être encore mieux. On a beaucoup de revendications de ce point de vue-là. Donc voilà, Ivry aiguise les appétits de la spéculation immobilière. Donc on a décidé de garder la main pour densifier de manière harmonieuse, de manière utile, et en remplissant deux fonctions principales, en évitant d'être trop long. La première, c'est une fonction environnementale qui va bien d'ailleurs avec la conférence climat aujourd'hui. C'est qu'on a constaté dans les années 70-80 que l'émiettement urbain, les grandes zones pavillonnaires à l'extérieur de Paris avaient grignoté des terres agricoles dont on va avoir grand besoin dans le cadre d'une remise en place de circuits courts pour alimenter l'Île-de-France et le cœur dansé. Donc la densité, de ce point de vue-là, s'impose à nous. Elle s'impose à nous aussi d'un autre point de vue environnemental, c'est celui de la mise en commun des grandes infrastructures de transport, de chauffage urbain, etc., d'assainissement, etc., etc. Donc c'est un enjeu pour moi, de mon point de vue, c'est un point de vue que je jette comme ça un peu sauvagement dans le débat, c'est un enjeu environnemental. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut le faire de manière harmonieuse en essayant le plus possible de désimperméabiliser les sols, de maintenir des espaces de pleine terre. Je pense que Carmen Santana tout à l'heure nous parlera de l'agrocité qu'on est en train de concevoir sur les traces de l'ancienne cité Gagarine. Et le deuxième aspect, et j'en finirai là, c'est un aspect social. C'est-à-dire qu'aux portes de Paris, nous souhaitons que les catégories populaires puissent continuer à y vivre. Parce que les catégories populaires, les premiers de corvée, comme on les appelle aujourd'hui, en général, on les éloigne toujours un peu plus loin, dans le deuxième, troisième, quatrième couronne. On leur impose des transports en commun souvent peu confortables ou des vieux diesels qui sont interdits aujourd'hui à cause de la ZFE. Et nous, on prétend que les catégories populaires peuvent vivre
aux portes de Paris et continuer à être présent dans ces territoires en mutation, ce qui veut dire qu'on densifie peut-être un peu plus parce qu'on produit du logement social, on donne la possibilité aux catégories populaires de continuer à vivre ici. Et bien évidemment, dans les projets urbains, ça nécessite plus de construction. On pourrait avoir une ville, vous voyez, comme disent certains de nos opposants, un petit Neuilly avec des petits immeubles Kaufmann and Broad, j'ai rien contre eux, mais 2-3 étages, des grands parcs publics autour, etc. Ça ferait des prix de sortie à 12-13 000 euros le mètre carré, et les plus modestes d'entre nous devraient partir toujours un petit peu plus loin du cœur vivant et productif de la métropole. Donc il y a ces deux enjeux, un enjeu environnemental et un enjeu social et de modèle de société tel qu'on le veut, qui est posé. Donc d'où l'importance d'avoir ce soir, dans le cadre de la conférence climat, un débat sur la densité. Voilà. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. Je vous invite à regagner votre place pour suivre les présentations. Vous serez amené malheureusement à nous quitter en cours de débat, appelé par d'autres obligations. Donc on va parler dans le contexte du réchauffement climatique de densité. Alors j'ai regardé un peu les dictionnaires, l'étymologie. Densitas en latin, ça dit l'épaisseur. Densus, c'est touffu, serré. Et dans le littré, la densité est définie comme le rapport du volume à la masse. Et dans un ouvrage de l'esprit, un livre par exemple, la densité, ça va être plutôt une qualité, c'est une promesse de contenu, avec peut-être des difficultés pour y accéder, mais une promesse de richesse. Alors que même si la densité est repérée, admise comme étant le remède à l'étalement urbain, pour ce qui est de l'aménagement des villes, comme le disait monsieur le maire, actuellement, c'est un mot qui n'a pas trop la cote. On a pu en juger il y a quelques jours avec la volée de bois vert reçue par la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, quand elle a parlé, quand elle a critiqué le modèle de maison individuelle, dans un débat d'ailleurs assez caricatural et confus. Comme souvent quand on parle de densité, sans savoir si c'est celle du bâti, de la population, si c'est une densité vécue, perçue, et puis en confondant largement densité et les différentes formes urbaines. Voilà. Mais donc on va débroussailler tout ça avec, pour commencer, Patricia Peloux qui va venir me rejoindre, qui est donc la directrice adjointe de l'atelier parisien d'urbanisme. Venez à mes côtés, donc pour nous parler densité en précisant la situation d'Ivry pour commencer. Merci, bonjour à toutes. Alors mettez-le peut-être voilà, contre merci votre menton. J'ai peut-être enlevé le masque. Si oui, oui, de préférence. Oui. On vous verra mieux, puis on vous entendra mieux également. Donc bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc merci pour cette invitation pour échanger avec vous sur la question de la densité, donc un sujet à la mode, si on l'entend, qui a été remis au goût du jour avec la question, ça ne marche pas, la question de la crise sanitaire. Voilà, c'est quand même mieux de voir une image d'Ivry pour commencer. Donc c'est vrai que c'est un terme, comme vous le dites, qui n'est pas facile forcément à appréhender, puisqu'en fait il y a plein de facteurs, plein de définitions qui existent, et pour autant c'est vrai qu'on c'est important de démarrer aussi par une image du territoire, de la ville, pour aussi montrer qu'il y a un contexte urbain qui est très fort, donc avec cette vue qui aussi montre les grands atouts du grand paysage, l'élégance de la Seine et les différents quartiers, et qu'on part toujours en partant d'une densité, d'un quartier et d'une ville qui existe. Donc c'est vrai qu'on nous interroge souvent sur c'est quoi le chiffre magique de la densité soutenable ou de la densité acceptable. Donc qui sont des termes et des adjectifs d'ailleurs étonnants. Je trouve que monsieur le maire qui parlait de densité harmonieuse, c'est plus positif que de densité soutenable ou acceptable. Donc ce chiffre magique, ben, forcément, il n'existe pas parce qu'il est lié au contexte de chaque, ça défile tout seul, de chaque ville. Et donc le contexte, la question de la morphologie qui était abordée, la question des formes urbaines et du rapport aussi aux espaces libres et aux paysages qui existent.
Et c'est vrai qu'on a aussi une différence d'appréciation entre la densité réelle, donc des chiffres qui peuvent être mesurés, et puis la densité qui est perçue par les habitants. Et donc là, on a, par exemple, fait travailler des sociologues avec des habitants en prenant des exemples de quartiers et de comparer entre la densité réelle et la densité vécue. Et donc, de façon à mieux comprendre l'écart qui peut des fois exister entre la densité qui est réelle, celle qui est vécue, qui est aussi beaucoup liée à l'imaginaire qu'on a par rapport aux formes urbaines. Certaines formes urbaines, certains grands ensembles, la question de la hauteur, parfois qui peut faire peur, alors qu'en réalité, parfois, sous certaines conditions, il y a des manières de faire qui peuvent faire en sorte qu'on arrive à une densité qui est beaucoup plus harmonieuse. Donc c'est vrai que cette question-là de réel et vécu. Donc pour autant, c'est toujours intéressant d'objectiver le débat à partir de données quantifiées. Donc parmi les indicateurs chiffrés, on a évidemment la question de la densité des habitants qui a été soulevée. Donc à Ivry, il y a 63 000 habitants, ce qui fait qu'on a une densité de 103 habitants à l'hectare. On peut aussi l'appréhender au regard de la densité d'emploi. Donc à Ivry, on a 32 000 emplois, ce qui fait une densité de près de 53 emplois par hectare. Donc c'est vrai qu'à l'agence, on a tendance plutôt à préconiser déjà de montrer, de représenter la population plus l'emploi, puisqu'en réalité, les mètres carrés bâtis et d'occupation sont aussi liés à cette double occupation. Donc alors, là, on va régler le problème, je n'en doute pas. J'espère très fortement, en tout cas. Donc, je vais poursuivre sans les images, mais vous avez vu la carte, donc vous avez la représentation mentale. Là, maintenant, c'est le ciel bleu. Pour la densité de la, donc à l'échelle du Grand Paris, parce que c'est important aussi de resituer Ivry par rapport à Ivry par rapport au Grand Paris, à cette question aussi de la maîtrise de l'étalement urbain, de l'artificialisation des sols, et avec une densité qui est assez forte. Comme vous le savez, Paris, c'est l'une des grandes villes les plus denses au monde. Donc on voyait sur la carte qu'elle était dans les couleurs foncées. Donc plus les quartiers sont foncés, plus la densité est forte dans ces quartiers, donc la Défense, bien entendu, des quartiers parisiens. Et si vous avez vu la carte furtive, vous avez pu apprécier que Ivry, finalement, était dans une tonalité assez claire et donc qui est finalement l'une des villes qui est les moins denses si on regarde les 29 communes qui sont riveraines de Paris. De mémoire, d'ailleurs, les plus denses, je crois, sont le Valois et Puteaux. Exactement. Donc, il y a un nuage de points que vous avez vu très furtivement où on a représenté la densité de population, donc à l'horizontale sur ce graphique, et puis la densité d'emploi en verticale. Sur ces graphiques, c'est une manière de montrer sur les 29 communes riveraines que celles qui sont situées en bas à gauche, c'est les communes qui sont les moins denses, et puis celles qui sont en haut, à droite, sont les communes qui sont les plus denses. Ivry, en fait, est vraiment dans le nuage de points des villes qui sont les moins denses parmi les 29 communes riveraines, puisqu'en fait, elle arrive après Nogent-sur-Marne, Fontenay, en fait, les communes qui sont situées autour du bois de Vincennes. Et si on enlève les communes du bois de Vincennes, Ivry, en fait, est la ville la moins dense des communes riveraines si on regarde la population plus l'emploi. Donc ça, c'est important parce que ça montre aussi d'où on part par rapport à la situation d'aujourd'hui. Et comme vous le disiez, à l'inverse, donc la ville la plus dense, c'est donc le Valois-Perret avec plus de 500 habitants plus emploi à l'hectare. Donc si on compare aux 156 habitants plus emploi d'Ivry, ça veut dire que la densité de le Valois-Perret est trois fois plus importante que celle d'Ivry. Donc ça, c'est, je dirais, le premier élément, puisque c'est vrai que même si les chiffres, les données, les indicateurs quantitatifs sont pas uniques et ne suffisent pas, c'est quand même important pour pouvoir avoir cette organisation générale. Donc ensuite... On aurait bien aimé récupérer les images, mais on voit qu'en régie, Carmen, ça s'agite beaucoup. Carmen, j'ai besoin de toi. Mais... c'est le fait que ça s'agite beaucoup, c'est en général pas très bon signe en plus. Donc, mais
On va essayer de poursuivre comme ça. Et bon, ensuite, de toute façon, peut-être qu'on pourra mettre cette présentation accessible sur le site de la ville, sur Facebook. Bon, on verra ça, mais voilà, pour avoir la totalité des images, si on ne parvient pas à les récupérer. Alors, donc, si je poursuis donc après ces premiers chiffres, ce que je souhaitais montrer, d'illustrer, c'était en zoomant sur la ville d'Ivry, la question justement de représentation de la densité des habitants. Donc là, on voit qu'en fait, on a évidemment le centre-ville et puis les constructions qui sont le long de notamment de la RD5, si on est aussi à la grande échelle et qu'on intègre Vitry. Donc c'est vrai qu'on a des densités d'habitants qui ne sont pas exactement localisées au même endroit que les densités d'emplois. Qui pour autant, en fait, Ivry fait partie des villes qui aussi ont une certaine mixité dans ces fonctions. Donc c'est vrai qu'il y a ce critère-là de densité de population d'emploi et il y a la question... Je ne suis pas sûr que c'était dans votre présentation. De la question de la mobilité, on peut en parler au regard de la densité. Je ne suis pas sûr que ce soit le mode de déplacement... la moto la plus vertueuse au plan environnemental dans une ville qui est bien desservie, mais on va pouvoir du coup reprendre par rapport en fait aux illustrations. Donc si ça veut bien fonctionner, voilà, ici, voilà. Donc là, vous voyez donc justement que la densité de population depuis 2008 en fait, a augmenté à Ivry. Ça, c'est aussi pour répondre aux besoins de logement qui étaient évoqués donc, par le maire d'Ivry tout à l'heure. Donc, vous avez des programmes de construction qui ont été faits avec des taux annuels d'évolution de population qui montrent aussi une certaine attractivité et une dynamique dans la construction de logements. Et puis, une stabilisation de l'emploi depuis 2007, puisqu'en fait, la courbe montre plutôt une stabilisation, mais en tout cas une dynamique au niveau résidentiel qui est un petit peu supérieure à la moyenne sur Grand Orly, Seine-Bièvre et également la métropole du Grand Paris. Donc ensuite, là, je dirais que c'est aujourd'hui. Les projets qui sont portés donc, par la collectivité, ils portent justement notamment sur les terrains qui sont au bord de Seine, qui sont les anciens terrains industriels, où il y a une mutation qui s'opère, qui concerne à la fois Paris, d'ailleurs, l'ouverture sur la Seine, Paris 13e, Ivry, avec Ivry Confluence, Vitry, avec la gare de Vitry, les Ardoines, on pourrait aussi citer Choisy-le-Groix. Donc c'est vrai que sur la partie Seine-Amont, la partie donc haute, et plutôt sur l'ouverture des villes sur la Seine, qui est aussi un grand atout de ce territoire. Si on passe à l'image suivante, voilà. Donc en zoomant sur Ivry, c'est là où on voit qu'il y a évidemment comme grand projet la ZAC Gagarine-Truyot, sur lesquels travaille à la fois la ville avec Carmen Santana, et puis évidemment Ivry Confluence qui peut permettre justement à la ville de s'ouvrir et de créer une mixité sur ces nouveaux quartiers et puis d'autres projets qui sont on va dire de plus petite dimension et qui sont menés aussi en lien avec la question des mobilités, la nouvelle offre de transport, parce que ça c'est aussi important, c'est souvent une inquiétude quand on crée des nouveaux quartiers, qu'il n'y ait pas de congestion supplémentaire, et donc que ces quartiers-là soient bien desservis. Donc c'est vrai que là, il y a eu l'arrivée du tramway T9, qui quand même est assez structurant sur la RD5, et puis à un horizon donc plutôt, on va dire, court terme, le TZN5, qui permettra une nouvelle liaison, qui permettra de desservir Ivry Confluence, et à plus long terme, le prolongement de la ligne 10, qui est soutenu tant par Paris que Ivry pour accompagner ces nouveaux quartiers et offrir des nouvelles mobilités qui sont aussi en lien avec le sujet de la densité. À partir de cette image, c'est vrai qu'on voulait poser la question pourquoi aussi construire, et c'est vrai que l'élément essentiel, c'est aussi d'offrir aux habitants des nouveaux logements qui répondent aux besoins des populations.
Donc là, on voit qu'il y a un parc de logements qui se développe, qui, selon les années, c'est normal, hein, varie, donc avec des programmes de construction entre 2000 et 2020 annuels qui varient entre 330 logements par an à 1035 pour la période la plus intense. Donc c'est aussi ce dynamisme-là et qui répond à des demandes de logements très forts, puisque si on met, on cite quelques chiffres sur les demandeurs de logements sociaux qui sont exprimés à Ivry, il y en a eu 8300 selon donc les chiffres qui sont recensés par la ville à la fin 2019 pour 500 attributions sur l'année 2020. Donc on voit bien qu'en fait il y a aussi des demandes à satisfaire pour le développement de ce logement, de ces logements qui est importante et qui aussi va contribuer sur ce lien. Après, pourquoi construire et la question de la densité, c'est aussi qu'à partir d'une certaine densité, on peut offrir un certain nombre de services aux populations, des équipements, donc les équipements de santé qui sont représentés en bleu, des équipements commerciaux avec un dynamisme en rez-de-chaussée qui sont représentés en vert. Donc on voit que les secteurs sur la Seine amont qui sont les mieux, enfin en tout cas les plus riches en équipements, en services qui sont offerts aux populations, sont justement les quartiers qu'on voyait sur les cartes précédentes, qui sont les quartiers avec un certain niveau de densité. Évidemment, les équipements scolaires, culturels, également sur ce volet. On a représenté également sous cette forme les commerces du quotidien. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de la ville du quart d'heure, puisque en fait, on a tous été confinés dans un rayon d'un kilomètre. Donc, un kilomètre à 4 km/h à pied, c'est justement le quart d'heure. Et donc, c'est vrai qu'on a essayé de représenter les commerces de proximité que chaque habitant peut avoir à moins de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes de chez soi. Donc, à moins de 5 minutes, c'est les zones qui sont en bleu. Donc on voit évidemment les secteurs dans Paris et pour Ivry, le secteur du centre, la place Gambetta. Et pour autant, sur l'ensemble de la Seine amont, on voit qu'il y a des zones grises qui aussi sont concernées par les projets nouveaux qui sont à venir. Donc les projets sont aussi une opportunité pour apporter des nouveaux services à la fois commerciaux, en travaillant la question de la programmation que les collectivités travaillent en lien avec les habitants, puisque l'idée, ce n'est pas uniquement de répondre aux besoins des nouveaux habitants, mais aussi à l'ensemble de ces secteurs. Donc ensuite, c'est vrai que la question, c'est plutôt aussi de densifier le bâti, donc tout en améliorant le bien-être des habitants. Et vous l'avez dit aussi dans l'introduction, la question des espaces verts, qui est aussi centrale, de la place de la nature, qu'on peut apporter et qu'on peut travailler, Carman y reviendra tout à l'heure, sur le comment, sur la question de la nature. Donc si on est à l'échelle de la Seine amont, vous avez sur la carte de gauche les hauteurs de végétation. Sur la carte du centre, c'est le taux de végétation à l'intérieur des parcelles, puisqu'en fait, il y a une offre de végétation qui existe à l'intérieur du parcellaire, notamment dans le tissu pavillonnaire et dans les grands ensembles. Mais on voit que toute la partie, justement, en bord de Seine, qui étaient les anciens tissus industriels, aujourd'hui sont les zones rouges, c'est-à-dire les zones qui sont les moins pourvues en végétation aujourd'hui. Et la dernière carte, c'est pareil, c'est un indicateur factuel, puisque c'est la question de la température et des écarts de température. Et avec le sujet climatique, c'est un sujet qui va devenir de plus en plus important. Et donc, on a les écarts de température. Donc, les zones qui sont en bleu, c'est là où il fait le plus frais l'été. Et en rouge, les zones les plus chaudes. Et donc là, on voit évidemment qu'il y a un miroir entre la carte du milieu sur la végétation et la carte de droite sur la question des températures. Donc les projets sont aussi une opportunité pour travailler cette question climatique, pour apporter de la fraîcheur sur ces secteurs qui sont en zone justement rose, donc rouge. Donc là, on le voit encore mieux quand on zoome sur Ivry, où on voit apparaître le système de végétation qui est très riche sur les coteaux, le fort d'Ivry, bien évidemment, qui ressort, et le parc des Cormailles, qu'on voit très bien aussi sur la carte du centre. Et puis la question des chaleurs, où on voit les zones chaudes qui sont au bord de Seine, et à l'inverse, les zones fraîches
qui existent, qui sont dans les tonalités vertes et bleues. Et puis, pour c'est l'avant-dernière image, hein, quelques thèmes qui sont des facteurs d'acceptabilité ou de réussite de la question de la densité, qui sont assez largement, on va dire, reconnus et à échanger. Donc, le premier, c'est l'importance de la générosité des espaces publics, parce que finalement, les espaces publics, c'est le bien commun, c'est l'endroit où on a le vivre ensemble, l'espace de sociabilité, donc il faut une certaine générosité qu'on peut traduire à la fois en qualitatif et en quantitatif. Le quantitatif, si on cite quelques chiffres, ben, à Paris, par exemple, il y a 26% de la surface de Paris qui est concernée par des espaces publics. À Barcelone, c'est plus de 30%. C'est une ville à Barcelone qui est reconnue pour la qualité de ses espaces publics, donc c'est encore plus généreux. Et ça, c'est important. Parce que finalement, le rapport en fait avec la densité bâtie qu'il y a est aussi en rapport avec l'espace libre qu'on retrouve sur ces espaces publics. Le deuxième point, c'est évidemment la question des espaces verts, donc qui a été soulevée, qui a été abordée. Donc c'est la raison pour laquelle on a mis l'image du grand parc avec des pratiques aujourd'hui individuelles dans un espace collectif qui est très vivant. La question des commerces, qui est le troisième facteur très important, c'est la question des rez-de-chaussée actifs, toute la question du sol. Finalement, ce qu'on perçoit dans un quartier, on perçoit le quartier depuis l'espace public. Le paysage d'une ville, le paysage d'une rue se lit depuis l'espace public d'abord. Et finalement, c'est la question de l'animation, de la qualité des rez-de-chaussée qui opère en plus de l'espace public. Donc la question de la programmation est aussi très, très importante. Et finalement, qu'il y ait un étage ou deux étages de plus, c'est pas forcément ce qui est le plus gênant. Et puis le quatrième volet, ben, c'est la question des services de mobilité, c'est-à-dire que la densité va générer des déplacements nouveaux. Donc là, il ne faut pas d'externalité négative, donc pas de congestion automobile ni de pollution, et donc toute la question de trottoirs qui sont généreux pour les déplacements de mobilité douce et aussi l'offre en transport en commun qui va permettre des déplacements de plus longue distance. Et puis pour finir, la question évidemment de la qualité architecturale et urbaine. On voit aussi, à travers les enquêtes, les retours qui existent sur la densité, que des opérations qui gardent des bâtiments existants, qui ont une valeur historique, sont très importants dans les opérations d'aménagement, puisque finalement, l'hétérogénéité, le mélange, est beaucoup plus apprécié que finalement des nouveaux quartiers qui ont une forme qui est homogène et qui finalement n'est pas en rapport avec l'histoire du lieu. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des évolutions, les promoteurs y viennent, c'est au début perçu parfois comme des contraintes, mais finalement c'est aussi ce qui fait des ancrages et de la valeur pour aussi les nouveaux bâtiments. Donc voilà quelques images, et notamment avec, pour finir, évidemment, la question du port d'Ivry et des quais, qui permet aussi à la ville de mieux s'ouvrir. Donc si l'image arrive, voilà, avec ces appropriations et en rentrant dans un processus à toutes les étapes du projet qui aujourd'hui est travaillé. Merci Patricia Pelloux. Est-ce que si ce n'est pas trop compliqué, on peut revenir sur l'image qu'on n'a pas vue tout à l'heure de la densité, la représentation de la densité dans les 29 communes riveraines. On va vous la trouver. C'est juste celle d'après, si vous pouvez. Voilà, c'est parfait. Oui, voilà, donc en fait, ça, c'est le nuage de points qui représente les 29 communes donc riveraines de Paris. Donc, vous voyez ici la densité en fait, de population. Donc, plus on est situé ici, plus la densité est forte en termes d'habitants. Et plus on monte, et plus la densité d'emploi est forte. Ce qui fait que les villes qui sont situées ici sont les villes qui sont les moins denses en population et emploi. Et vous voyez donc Ivry qui se situe ici. Donc là, c'est ce que je disais. Donc il y a Saint-Cloud qui est en bord du bois de Boulogne, Joinville-le-Pont, Saint-Maurice et Nogent et Fontenay. Ce qui fait que si on enlève les communes riveraines du bois, en fait, Ivry-sur-Seine est la ville qui est la moins dense aujourd'hui. La moyenne des 29 communes riveraines se trouve ici.
Et donc, vous voyez ici, par exemple, Boulogne-Billancourt, plutôt, qui a beaucoup d'emplois, et puis le Valois-Perret. Plutôt certainement lié à la défense, oui, oui. En l'occurrence. Le Valois-Perret, qui est la ville que je citais, qui est la plus dense, donc qui est trois fois plus dense en population plus emploi que Ivry. Merci Patricia Pelloux. Rejoignez votre place et on va accueillir à présent et poursuivre la réflexion avec Carmen Santana, donc cofondatrice de l'agence Archicubique, qui se définit comme un écosystème franco-catalan. Alors architecture, urbanisme et paysage urbain. Et avec vous, donc on va parler de densité. Alors on l'a dit au début, hein, l'agence Archicubique coordonne les projets sur la ZAC Gagarine-Truyot. Mais on va élargir la focale, hein, voilà, pour parler densité. Si on parvient à avoir l'image à l'écran, ça va venir. On me rassure, on me fait des gestes rassurants. C'est juste une question de temps. Allô, bonsoir. Bonsoir toutes et tous. Certaines têtes connues, évidemment. Effectivement, l'exercice... merci à Patricia, parce que tu as fait vraiment, tu as tout dit, en fait. Et moi, ce que je voudrais, c'est un exercice difficile, hein, ce que j'ai essayé de faire là. C'est-à-dire, on va essayer de... Moi, ce que je voudrais vous donner, ce sont un peu des pistes, des manières qu'on pourrait avoir pour que cette densité qui aujourd'hui est subie, et c'est vrai que c'est, jusqu'à présent, quand on a vu les quartiers se développer, c'est quand même pas joyeux. L'envahissement qu'on a fait aux voisins, enfin, c'était difficile. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience assez importante, d'abord des limites de l'exercice par rapport au changement climatique, par rapport à des nouveaux paradigmes qui sont reliés aussi avec les nouvelles technologies qui permettent de faire des choses autrement, de se déplacer autrement, de travailler autrement, on l'a vu avec la pandémie. C'est moi qui passe ou c'est vous qui passez? Oui, alors je parlais justement de sinon, de ce moment. Sinon, vous avez l'appareil. Cette image correspond en fait un petit peu à ce que je disais tout de suite, là, c'est ces nouveaux paradigmes, en fait. Comment on est dans un monde qui est compliqué, qui est difficile, on est dans le global, mais en même temps, il faut qu'on soit dans le local, il faut qu'on puisse rescater, comme disait Patricia à l'instant, le déjà-là, ce qui existe, qu'on le répare, qu'on fasse attention. Il y a toute la question du temps. On va très vite, ça se passe d'une manière difficile. On est confronté à un moment historiquement pour nous, hein, par nos cerveaux et notre manière de faire. Je suis sûre que tous ici dans la salle, vous le subissez. Des moments qui sont très compliqués. Donc, ce qui est important... Alors, attendez, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai passé deux ou une, pardon. Hein. Je ne sais plus combien j'allais passer là, pardon. Excusez-moi une seconde. Non. Ça. Alors, je ne sais plus là, comment ça fonctionne, le truc. Alors, je crois que c'est celle d'en haut pour avancer. Oui, mais là, je veux reculer et ça ne fait que passer la page en bas. Alors, voilà, donc la suivante, c'est vous qui me la passez, d'accord? Ok, c'est mieux. Merci, voilà. Pardon. Faites signe et puis... D'accord. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on ait, c'est vraiment une pensée systémique. Il se trouve qu'effectivement, on est mal. Il y a une limite à l'exercice, comme je venais de le dire. Donc, il va falloir qu'on trouve des pistes et des manières de pouvoir asseoir cette densité. Parce qu'on a besoin de logements, on a besoin des lieux de travail, on a besoin surtout après la pandémie, on a bien vu qu'il va falloir qu'on revienne sur des systèmes productifs en ville, dans nos quartiers. Donc, tout ça, il va falloir qu'on le gère d'une manière un peu différente. Ici, par exemple, on a mis un tableau qui vous montre la croissance de la ville par heure. Voilà, celle-ci. Et on a quand même des villes qui sont incroyables. Il y a des villes quand même qui sont en train de prendre 42-50 personnes par jour. C'est énorme. Par heure. Ce qui est énorme. Vous vous rendez compte? Des habitants par jour. Par heure. Par heure, je vais y arriver. Pardon, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Voilà, 42, c'est Lagos. C'est Lagos, ici, là. D'accord, vous avez Bombay, où c'est 42, et Chaka, qui est 50. Enfin bon, ça va très très vite, donc. Et ça arrive aussi sur nos territoires, hein, ça arrive aussi en Europe. La suivante, s'il vous plaît. Parallèlement à ça, dans quelques années, dans 30 ans, on va avoir 70% des gens qui vont habiter en ville, on va être des urbains. Donc effectivement, cette question de la densité,
il va falloir qu'on la traite d'une manière qualitative. Vous parliez de la densité harmonieuse. Moi, j'aime bien parler de la densité non ressentie. Et on va y arriver, cette densité non ressentie, quand on voit ça, effectivement, c'est terrible. C'est la défense aussi, en même temps. Hein. On n'est pas très loin de tous ces systèmes de transformation. Ça, c'est la transformation, c'est un exemple comme d'autres. Un dernier projet qu'on est en train de travailler près de Caen, à Hérouville-Saint-Clair, où ça, c'est la carte, c'est le plan de l'année en 65, donc il n'y a pas très longtemps. Et aujourd'hui, vous voyez que tous ces terrains agricoles, ces terrains productifs, donc nourriciers, deviennent... toute seule comme une grande, sont devenus un nouveau quartier. C'est une ville nouvelle et qui aujourd'hui est en train effectivement d'être révisitée. C'est là le travail qu'on est en train de faire pour essayer de voir comment on va pouvoir harmoniser cette densité qui est déjà en place, mais qui nécessite encore plus de mètres carrés puisqu'il y a des nouveaux habitants et un besoin important de logements sociaux. Ici, on a pris quelques exemples qui sont assez parlants de ce qui se passe un petit peu dans le monde. Là, on est à Houston, en Amérique, où vous voyez des plaques de la minéralisation partout, des stationnements en superficie, des volumes qui sont un peu différents, un peu plus denses, un peu plus haut d'un côté et de l'autre. On parlera de ça aussi, parce que ce n'est pas parce qu'on est haut qu'on est dense, vous allez le voir. Ça, c'est l'étalement urbain dont a parlé Monsieur le maire tout à fait. C'est tout ça, parce qu'elle est très impressionnante dans cette image. On a simplement pu choper le photographe Christophe Gielin. C'est quelque part aux États-Unis, mais ça se passe aussi ici. Hein. On pourrait parfaitement avoir des exemples. On n'a pas eu vraiment on n'a pas voulu se focaliser sur le territoire français ou en Europe. On est allé un peu chercher partout. Ça, c'est très intéressant parce que vous voyez ici la question de la plus, moins c'est dense et plus j'ai besoin d'avoir des voitures pour fonctionner. Donc là, c'est les émissions, alors on appelle ça les gigajoules, c'est-à-dire toute l'énergie dont on a besoin et les émissions de carbone qu'on peut avoir par rapport à des villes qui sont complètement étalées. Houston, c'est la ville que vous venez d'avoir, c'est des modèles urbains où on s'étale, où tout le monde a besoin d'une voiture et le transport public ne suit pas avec une qualité importante de fonctionner. Par exemple, donc on a ici des émissions à 80%. Ici, vous avez Paris qui a des émissions qui sont entre à peu près 15% et on serait autour de ça. Je ne comprends pas pourquoi ça ne passe pas, moi, quand j'appuie sur le truc. Voilà. Bon, alors, ça, c'est une image un peu pour... Il y a urgence, hein, on le sait tous. Il y a une urgence terrible de la manière... Et on manque de bon sens. On a manqué beaucoup, beaucoup de bon sens pour réussir à avoir des villes. Ici, c'est l'inondation de Manhattan qui va arriver et qui arrive doucement dans les années qui viennent. On est en train de voir tout... Où est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça marche ? Ouais, d'accord, ça sera mieux. Bon, alors on passe, c'est même pas la peine d'aller si loin. Hein, à Évry, si je ne m'abuse, il y a un mois, ça s'est passé. Il y avait des inondations partout, le métro, les services de transport étaient complètement coincés, enfin, ne fonctionnaient plus par rapport à ces changements climatiques, à ces énormes pluies torrentielles, à ces sols tellement minéralisés qu'ils n'arrivaient pas à absorber. La suivante, s'il vous plaît. Pareil, toute la question de la déforestation, toute la partie. Vous savez que une bonne partie des réfugiés qu'on a aujourd'hui, ce sont aussi des réfugiés à cause du changement climatique, c'est-à-dire de la désertification de nos territoires. La prochaine. Alors, la question est comment on préserve nos territoires, nos espaces naturels? Comment on préserve nos forêts, nos espaces naturels, nos espaces nourriciers? Pour faire ça, il va bien falloir qu'on essaie de se concentrer sur ce qui est déjà construit, donc essayer de monter en hauteur, de manière à pouvoir préserver ces espaces naturels et arrêter de commencer à nous étaler et continuer à nous étaler comme on est en train de le faire jusqu'à il y a très peu d'années. Suivante. Alors, nous, ce qu'on dit, ce sont des expériences en fait, qui nous ont permis de constater que lorsque le paysage, le vert, est devenu vraiment l'élément de dessin, et Patricia vient de l'amorcer dans la réflexion qu'elle a faite dans la dernière slide, la question du vert, quand on met le paysage en place, et toute la biodiversité et toute la vie qui va avec, nous amène aussi à voir
une densité non ressentie. On met d'abord en place le paysage et les espaces publics, et ensuite on va commencer à parler du bâti. La suivante. Il y a quelque chose qui est très intéressant aussi, tu en as parlé aussi Patricia, c'est la question des nos communs. Ben, nos communs, ce sont ces espaces aussi naturels, ce sont aussi nos espaces nourriciers, c'est des espaces qu'il va falloir qu'on fasse attention à eux. Et aujourd'hui, on se trouve dans un moment, et c'est très intéressant parce que la pandémie nous a montré aussi cette question de la solidarité entre le voisinage. On s'est très vite organisé, on a aidé les voisins en haut, en bas, les enfants jouant dans les espaces, combien des escaliers, etc. Donc, cette humanisation, on est devenu des machines, en fait. Ces 80 dernières années, le siècle industriel, ce capitalisme sauvage, ultra, ou qui nous a appris à ultra consommer, en fait, et on est tous tombés dans le piège, mine de rien. Et la pandémie nous a permis aujourd'hui de voir que réellement, il y avait une surconsommation, donc il fallait qu'on fasse attention à la manière comment on allait réorganiser nos territoires. On passe du je, plus j'année, plus j'ai de voitures, plus j'ai de maisons, plus ceci, cela, à nous tous, et à la question aussi de la co-création. La suivante, s'il vous plaît. C'est cette question de la co-création, de l'acceptation de la différence, de pouvoir nous écouter, de pouvoir aller plus loin, d'avoir des espaces de dialogue pour pouvoir aller vers cette ville dense et voir quel type de densité on met en place. La suivante. Alors, pour nous, l'espace public est fondamental. C'est-à-dire que réellement, le travail sur cet espace public doit être fait en amont de n'importe quel projet urbain. Et cette question de ces nouveaux espaces publics, avec l'évolution des mobilités, avec la question, quand on parle d'espace public, c'est très intéressant, parce que quand on parle d'espace public aujourd'hui, ou jusqu'à il y a 5 ans, parce que j'aime bien différencier, il y a quand même un changement de paradigme, et les curseurs sont en train de bouger d'une manière assez intéressante, on dit l'espace public d'une ville, 70%. L'espace d'une ville, mais le problème, c'est que dans une ville, 70%, ce sont des voiries, et les voiries, ce n'est pas de l'espace public. Ce ne sont pas des trottoirs, c'est pas un espace appropriable, c'est pas un espace où on peut faire des choses, où on peut vivre et co-vivre d'une manière, une cohabitation intéressante. Donc on s'est dit qu'effectivement on a une opportunité avec ce changement de paradigme sur la mobilité, de pouvoir à un moment donné penser les villes complètement autrement, et c'est en train de commencer à s'amorcer, on est en train de l'amorcer avec vous sur certains projets ici à Ivry, notamment sur l'agrocité. La suivante s'il vous plaît. Ici, c'était à Séoul, où on a une autoroute qui passe au milieu de... Il y a plusieurs exemples qui commencent à se passer comme ça. Et cette infrastructure, en fait, commence à devenir et devient un boulevard urbain avec de l'eau. On ne voit pas très bien dans la photo, mais tout ça, c'est bleu. C'est toute la question du cycle de l'eau, la récupération, etc., le rafraîchissement de la ville autour. Et ça se passe partout. La suivante, s'il vous plaît. On a aussi cet exemple, le High Line à New York, qui est assez connu, dans lequel des anciennes voies de train deviennent un espace public majeur et qui permet une promenade à un niveau haut. Parce que c'est ça aussi, la question de l'espace public. Pourquoi est-ce que c'est uniquement la côte au sol? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être hors sol avec un espace public? Tout ça, c'est des réflexions qui sont en train aujourd'hui de petit à petit se développer, et c'est très intéressant. La suivante, s'il vous plaît. Plus de la même chose, comment à un moment donné, une route peut devenir, où on peut sectorier et séparer la question d'un trafic beaucoup plus doux avec le trafic des voitures. Il y a beaucoup d'exemples, hein. On en a pris quelques-uns un peu différents pour qu'on ait un vaste regard. La suivante, s'il vous plaît. Ici, ce sont des espaces publics. Alors ça, c'est les espaces publics, c'est les projets qu'on travaille dans ce territoire. Celui-ci, c'est à Vitry-sur-Seine, la ZAC Rouget de Lille, dans lequel... Ça, c'était l'espace construit normal public. Et ça, c'est les dilatations qu'on a fait de manière à pouvoir amorcer tout un travail de cohésion sociale sur l'espace public pour des quartiers qui mal vivaient derrière la ZAC Rouget de Lille, pour que les habitants déjà là, ceux qui vont être envahis par ce nouveau projet, puissent s'approprier cet espace et se faire donc de ce quartier la prolongation du leur. Ici, c'est Carnot-Vérolo. Souvent, dans les ateliers qu'on a eus ensemble, je vous l'ai cité, c'est à Ivry-sur-Seine, hein, dans lequel on a mis d'abord l'espace public pour asseoir toute la densité qui était demandée, c'était 1 hectare là, de mémoire. Et là, vous avez l'espace public en gris, hein, c'est les espaces publics de l'agrocité, des espaces publics qui ont été évidemment co-créés avec les habitants, on y reviendra. La suivante.
vous allez avoir, alors vous voyez ce que ça peut donner, hein, dans la, dans Vitry, vous avez donc ces trottoirs qui font entre 10, 20, 22 mètres de large. Et là, on revient sur notre question, qui est la question du sous-sol, de la côte invisible. Il y a un tel bordel, c'est tellement la jungle que l'argent qu'on peut dépenser pour aller réguler les espaces, ces espaces-là, c'est terrible. Je pense que ça va être la grande question de la prochaine décennie, de voir comment on arrive réellement à avoir des espaces en sous-sol qui soient intelligents. Des trottoirs, tu vois, qui soient un peu plug and play, enfin, des choses qu'il faudrait vraiment qu'on aborde. En tout cas, ça va être le travail nous, de l'agence pendant ces années qui vont venir. Ici, vous avez donc ce cœur de Garneau-Vérelot, pardon, qui est d'abord cet espace d'espace public, dans lequel, en plus, il y a eu toute la question de la préservation d'arbres qui étaient déjà là, malgré la proximité avec le bâti. Ça, c'est aussi un travail qu'on va faire sur la agrocité Garagne-Truyau. Ça nécessite forcément pour les services de la ville une maintenance un peu différentielle de celle qu'on a aujourd'hui, où on n'a pas forcément des arbres qui sont à 6 mètres des façades, mais dans lesquels on peut parfaitement vivre, parfaitement travailler. Ça, vous pouvez aller le voir, c'est construit déjà depuis 7 ans. Et les gens qui sont là sont super contents. Et c'est ce qui nous a permis d'asseoir cette question du vert comme infrastructure et le paysage et le pays et le public et l'espace public. Là, vous avez un render. Une perspective de ce que va être un des cœurs d'îlot de l'agrocité, dans laquelle, alors là, c'est différent parce que l'agrocité, on va travailler sur la question de la ville productive. On l'a vu, on le redit depuis la pandémie, il faut qu'on retravaille sur nos territoires pour remettre la productivité, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Hein. Et ici, c'est une manière, un lien avec l'ADN de la ville de Ivry, qui a déjà tout un acquis, une connaissance des jardins ouvriers, des jardins partagés. Donc pour nous, c'était naturel de que l'ADN du projet soit axé sur cette question de la ville nourricière, aussi un centre dense consolidé. C'est une première, ça ne s'est jamais fait encore pour l'instant. C'est des toitures sur les toits et un cœur d'îlot en pleine terre. Et au total, 2 hectares et demi. Hein. 2 hectares et demi de production agricole professionnelle. Hein. On va essayer celle-ci de la faire professionnaliser. Et il y aura des espaces, évidemment, au sol pour les habitants. Mais ça, c'est là, vraiment, l'ADN, c'est la question de comment on arrivera à nourrir peut-être les écoles. On verra. Il y a tout un travail qui a été fait très intéressant avec Agropagarité, qui est disponible, d'ailleurs, vous pouvez le voir, sur le site, je pense, de la ville. Il doit y être. La suivante. Alors, tu en parlais tout à l'heure, Patricia, la question des rez-de-chaussée, les rez-de-chaussée actifs. Effectivement, on l'a vu pendant la pandémie, encore une fois, quand on ne pouvait plus aller dans les commerces, tous les rez-de-chaussée étaient fermés. C'était vide, il n'y avait rien, ils étaient aveugles, les bureaux étaient désertés, il n'y avait rien. Donc, toute la sécurisation aussi de l'espace public, elle passe par cette question des rez-de-chaussée actifs. Et on a un grand travail qu'on est en train de faire qui se pose donc sur la grossité, qui est la question des rez-de-chaussée domestiques. Les rez-de-chaussée domestiques doivent être aussi des rez-de-chaussée actifs. C'est-à-dire, on n'a pas simplement, c'est pas juste un lieu de passage où je prends j'ouvre ma boîte à lettres et je prends mon ascenseur et je dépose mon vélo, mais ça va être aussi des lieux où on va pouvoir co-créer ensemble dans les copropriétés les besoins d'usage dont on a envie. Avec à chaque fois des espaces fermés, mais qui donnent sur la rue, qui sont ce qu'on appelle les espaces privés partagés, et qui permettent de créer ce lien social, de créer cette sécurisation de l'espace public, parce qu'il fonctionne, parce que les gens vont et viennent tous les jours dans ces lieux-là, ou d'être simplement un lieu de passage et de flux, comme très souvent ça se passe aujourd'hui. Avec toute la mise en scène de la mobilité douce, évidemment, qu'on met aussi sur les parois verticales, parce que toute cette question de la densité, passe aussi par un travail de déstandardisation des manières de faire. Pourquoi est-ce qu'on devrait uniquement compter les vélos, puisqu'on en a de plus en plus, à l'horizontale? Ça prend de la place folle, alors qu'on a des parois ici où on pourrait parfaitement mettre tous les vélos dont on a besoin. Et le reste, on le laisse libre pour faire des usages de ce qu'on voudra. Des échanges, des lieux, un ordinateur partagé, des bibliothèques, ce que vous voudrez faire, ce que les habitants voudront faire. La suivante, s'il vous plaît. Alors, ça, je trouve ça très intéressant. Elle est très laide, hein, l'image, parce qu'il va falloir qu'on la refasse complètement. On l'a volée au CAE de La Réunion. Mais regardez ce qui est intéressant. La forme urbaine, en fait, n'est pas exclusivement liée à la densité. Je peux avoir la même densité. Alors ça, c'est un îlot, hein, d'accord? C'est la même emprise pour les trois projets. Je peux avoir la même densité sur une grande hauteur, parce que c'est ça qui fait peur trop souvent, c'est la question des émergences. Un bâtiment à 9 étages, 10 étages, 11, 16, ça fait peur, alors que vous avez exactement
la même quantité de logements, c'est, on parle de 16, 76 logements ici, avec des plots qui sont en R plus deux étages. Et ici, c'est plutôt le modèle de maison, des maisons particulières adossées. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que réellement, la question de la densité n'est pas forcément une question de forme urbaine. Mais ça renvoie encore une fois à la question de l'espace public et comment on y assied les bâtiments et la relation qu'ont ces bâtiments pour dynamiser l'espace public. La suivante. Alors ça, c'est pareil. On a essayé... elle influe en fait, cette forme urbaine influe sur l'espace public. Ici, c'est le typique îlot barcelonais, mais qui pourrait aussi finalement être celui de Chicago ou un peu haussmannien finalement. Avec pas, nous, enfin, le plan Cerdà était très, très carré, mais l'îlot Haussmann est un peu plus déformé, a des formes un peu différentes, mais c'est quand même ça. Ici, c'est la question, on en a fait beaucoup, beaucoup de ZAC comme ça ces dernières années, notamment en France, la question de l'îlot semi-ouvert ou ouvert. Et là, ça, c'est cette manière qu'on appelle, nous, l'urbanisme pointilliste, c'est-à-dire que ce sont d'abord l'espace donc, public, d'abord l'espace de la pleine terre et de la végétation, et ensuite, les bâtiments viennent s'opposer. Ce qui est intéressant dans ces deux dernières versions, c'est qu'on peut avoir une vision de transparence, de dilatation visuelle, c'est-à-dire qu'on voit... et donc la perception du bâti est complètement différente quand on est dans l'espace public ou quand on est à l'intérieur de ces cœurs d'îlots. La suivante. Alors ça, c'est Barcelone. Donc on fait un zoom, là, un voyage direct sur cette organisation spatiale par îlot fermé. La suivante. Alors il faut quand même que vous sachiez, attendez, ne passez pas encore, parce que mine de rien, l'intérieur, s'il vous plaît, pardon. Non, on revient en avant. Voilà. Merci. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est que Barcelone est une ville hyper, hyper dense. Ça, elle est vraiment très dense. Et on est sur des bâtiments qui font 6 étages ou 7 étages tout le temps. Donc c'est vraiment une perception. Par contre, ce qui aide à fonctionner, c'est l'espace public, enfin, les rues, les trottoirs qui sont beaucoup plus larges et qui permettent d'avoir une qualité en fait, spatiale lorsqu'on se promène qui n'est pas celle d'une densité ressentie. Et c'est Barcelone 1856 Non, c'est le plan Cerdà. C'est le plan Cerdà qui est d'accord. Fait en 1856, comme Haussmann en fait. Hein, c'est des références de celui qui l'a dessiné. La suivante. Alors, ici, ça, c'est un travail qu'on est en train de faire là. Dans le nouveau mandat de Ada Colau, qui est celui de la reconquête en fait, des espaces publics et du vert, un peu ce que fait aussi Anne Hidalgo à Paris, la question de retravailler ces îlots par des macro-îlots, mais des macro-îlots qui sont en fait des axes complètement verts et qui sont plantés, qui sont redonnés aux piétons. C'est-à-dire comment, à un moment donné, on remet la circulation des voitures sur l'extérieur et qu'on vient ponctuellement rentrer dans les garages. C'est un exercice qui a été fait aussi sur la grosse cité Gagarine à la demande des habitants. C'est un quartier qui était enclavé, où il n'y a pas la continuité des routes ou des chemins. C'est très intéressant parce que les habitants nous ont demandé, vous nous avez demandé, parce qu'il y en a beaucoup qui sont ici, de conserver ce principe de quartier pacifié. Donc les voitures tournent autour, mais tout ça, ce sont des espaces qui sont piétonnalisés, qui sont pour les piétons. Est-ce qu'on peut la suivante, s'il vous plaît? Voilà ce que ça va donner, tous ces axes, qu'on appelle ça les axes verts, et qui quadrillent vraiment la ville à est-ouest, nord-sud, avec cette question de la désimperméabilisation des sols, en même temps qu'on puisse avoir un usage ponctuel pour pouvoir rentrer dans sa maison ou venir livrer un commerce. Il y a tout un travail, je vous ai mis juste une, il y a tout un travail qui est en train d'être fait, non seulement par nous, mais par plusieurs agences, sur cette question de l'espace public intelligent. Comment on peut travailler, nous on est en train de travailler sur la question du plug and play. Comment aujourd'hui j'ai une terrasse ici, demain je peux avoir un conteneur. Comment je peux... Et sans devoir éventrer nos trottoirs, sans devoir mal vivre et subir toutes les nuisances et la déperdition d'argent qu'on a en refaisant nos trottoirs systématiquement tous les X années. La suivante. Ça, c'est encore d'autres exemples. Singapour. Singapour est une ville qui plaît beaucoup. Et pourtant, c'est des bâtiments. Alors là, c'est la grande. Là, pour le coup, c'est des IGH. Hein. Ce sont des immeubles qui font 100, 120, 150 tranquillement, mais qui sont traités d'une manière très végétalisée. Et là, on rentre dans un autre, dans une autre,
dans une autre approche, qui est celle de comment, à un moment donné, la végétation, non seulement au sol et de la pleine terre, mais aussi cette verticalisation du vert. La suivante. On a fait plusieurs... Alors, ça, c'est un exemple ici en France, c'est à Nice. Ça a été fait par Édouard François, un quartier à Nice très intéressant, dans lequel, effectivement, il travaille sur la question du vert comme un appui intérieur, comme un parc, mais en même temps, comment ce vert commence à monter sur les façades pour travailler encore une fois sur cette question de l'îlot de chaleur, baisser la température. C'est un projet qui est fini, qui vient d'être livré et qui réellement, on verra dans le temps combien de degrés on peut arriver à descendre avec ce traitement des façades aussi. La suivante. Alors, c'est marrant parce qu'il n'y a rien de neuf. Hein. Les jardins de Babylone, vous connaissez tous comme référence, en fait, déjà, nos ancêtres... Une des merveilles du monde, une des sept merveilles du monde. Une des sept merveilles du monde parlait déjà de ça, de cette question de comment on arrive à asseoir le végétal dans le bâti, en fait. On passe, c'était un clin d'œil parce que je trouvais ça très intéressant, et toute la question de l'eau aussi. La suivante. Alors... Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples, de plus en plus, qui commencent aujourd'hui à se passer, des bâtiments construits dans le monde et ici en France aussi, qui travaillent sur cette question de la verticalité végétale pour rabaisser la chaleur dans les bâtiments. On est en train de travailler, par exemple, un bâtiment à Barcelone qui était une ancienne usine, donc on la garde, on la répare, on le recrée ponctuellement, on redensifie une partie. Et tout le hall, en fait, qui était un grand hall d'entrée, ce sont des lieux de travail, on arrive à baisser 4 degrés, ce qui est énorme, hein, 4 degrés, en travaillant sur la végétalisation d'un îlot de fraîcheur à l'intérieur du bâti et de l'eau. C'est passionnant. Et c'est en train de se passer. Ce sont des choses, petit à petit, qu'on va tous commencer à faire. Alors, il y en a pour tous les registres, pour tous les goûts, hein, mais c'est en train de se passer. Et ça fonctionne. Il suffit simplement de penser la question de l'arrosage, la question de la maintenance, mais bon, comme n'importe quel élément technique qu'on peut avoir dans un bâtiment. La suivante. Alors, toute la question, évidemment, aussi, de la densité à avoir avec la qualité de logement. Ça, c'est un exemple, mais il y en a plein. Patricia le soulignait, d'ailleurs, la qualité de vie, la qualité de logement, le fait qu'on puisse ventiler naturellement, le fait qu'on puisse changer son logement, le fait que je puisse rester dans un logement grand et louer une partie, enfin, etc. Et nous, et tout ça, évidemment, sur toute la question de l'architecture bioclimatique, enfin, de l'architecture décarbonisée, évidemment. La suivante. Toute la question aussi de ce bien vivre ensemble et de cette densité acceptée, la question par exemple de baisser la consommation énergétique dans tous nos bâtiments, la grossité va être, tous les bâtiments vont avoir tous des circulations qui sont éclairées naturellement, et on est en train de faire les calculs de combien on va moins consommer d'énergie quand on aura fait cet exercice. C'est-à-dire que toutes les circulations, d'abord c'est une question de cohésion sociale, je sors dans mon palier, j'ai pas peur de mon voisin. Parce que c'est parce que je vois le ciel, ça nous permet d'échanger, de parler, de cette question de l'humanisation. Il faut qu'on redevienne humain. On a été complètement déshumanisé. La question de tout ce siècle industriel a été terrible. Hein. On nous a mis comme des petits soldats dans une petite case. Et aujourd'hui, il s'agit de retrouver ce bien vivre ensemble. Mais pour ça, mais la désalinisation des rez-de-chaussée, faire ces placettes que je vous ai montrées avant, illuminer nos couloirs. La suivante, illuminer nos parkings. Qui non seulement vont baisser la facture énergétique, la suivante, s'il vous plaît, mais vont nous permettre aussi une réversibilité d'usage rapidement. C'est-à-dire que demain, on a plus de voitures dans ce secteur-là, ben on va pouvoir en faire autre chose. Et ça sera aux voisins de voir comment on va pouvoir le faire et qu'est-ce qu'on va y faire comme usage. En tout cas, avec la lumière naturelle, encore pareil, avec la pleine terre dans ces parkings-là, etc. Donc systématiquement, je pense que les parkings, il faudrait qu'ils soient travaillés de cette manière-là. La suivante, s'il vous plaît. J'ai fini. Je crois que j'ai fini. Je pense, voilà. Donc, c'est des pistes, des pistes, en fait, hein, qui, entre tous. Bon, je crois que quelqu'un veut rentrer, mais qu'il ne va pas pouvoir de ce côté-là. Donc, on va pouvoir poursuivre. Ça ne va pas nous déranger davantage. Carmen Santana... Enfin, c'était juste des pistes pour qu'on réfléchisse tous ensemble, et sachant que qu'il faut quand même qu'on construise. Donc comment on le fait? Merci. Et la co-création est la meilleure arme pour pouvoir la.
l'accepter. Merci beaucoup. Donc, on a eu deux présentations qui illustraient bien ce que je vous disais en introduction, c'est-à-dire que ça a été très dense, c'est-à-dire beaucoup de choses très intéressantes, mais sur un temps réduit, mais qui, je l'espère, vous auront inspiré et donné matière à des questions, des interventions. On va vous faire passer un micro. Il y a voilà, deux personnes, monsieur ici et monsieur au fond. Peut-être... voilà, mais je vois seulement des mains d'hommes qui se lèvent. Ça serait bien aussi peut-être qu'on passe. Voilà, on va commencer peut-être par monsieur. Voilà, prenez le. Qui a le micro là? On va. On en avait un par ici, non? Bon. Voilà, on va vous le donner. Puis ensuite, on prendra l'intervention d'une dame. Alors, monsieur, si vous voulez bien vous présenter en prenant la parole, et puis nous vous écoutons. Parlez bien près du micro. Alors je vais vous aider. Voilà, Étienne Louis, simple citoyen de base. Voilà, et je voudrais simplement faire un petit rappel historique. C'est que on a eu des assises de la ville qui ont commencé en fin 2016 et qui se sont closes en janvier 2018, qui ont duré donc un peu plus d'un an. Et ces assises de la ville, elles avaient pour but, évidemment, de donner la parole aux Ivriens. Et il y a eu de très, très nombreuses réunions. Je ne sais pas, il y a peut-être eu 50 réunions dans Ivry. Tous les sujets ont été abordés, mais jamais la densité. On n'a jamais abordé ça. On a parlé de tas de choses, de nuisances, bon, jamais. Et par contre, il y a eu une réunion terminale fin janvier 2018 où on nous a donné les conclusions de ces assises et on a découvert à ce moment-là que la ville qui faisait 61 000 habitants allait passer à 75 000 habitants en 2030, donc 12 ans plus tard. Donc une augmentation de presque un quart, 25% en 12 ans. On l'a appris, c'était une décision, et alors qu'on nous disait qu'on allait co-construire l'avenir d'Ivry, que c'était de la démocratie participative, là, ça venait d'en haut, c'était une décision qui était prise sans qu'on n'ait jamais été informé de ses intentions, ni consulté moindrement. Voilà, alors ça c'est un rappel. Et actuellement, il y a des ateliers qui se tiennent sur l'écologie, sur la biodiversité, mais qui sont où il n'y a en fait aucune productivité en termes d'avis citoyens. Absolument pas, c'est la même chose que lors des assises de la ville. Aucune. Parce que vous allez peut-être un peu vite aux conclusions. Ces ateliers sont organisés de manière à ce que en fait, l'expression citoyenne ne puisse pas avoir lieu. On nous répartit en petits groupes, on n'est pas nombreux comme ce soir, mais quoi qu'on ne soit pas nombreux, on nous répartit en petits groupes, 4 ou 5 groupes, pendant 2 heures, donc on ne peut pas échanger entre nous. Ensuite, on nous fait mettre des post-it, comme des gamins, des post-it sur des tableaux, puis ensuite on nous dit, voilà, au revoir, à la semaine prochaine. Bon, donc tout ça, ça me paraît extraordinairement bidon. Enfin, l'idée qu'il y ait une participation des citoyens est prodigieusement bidon et fausse. Et alors, le résultat, c'est qu'on a effectivement une densification à marche forcée, une densification sauvage. Et exemple, on a un parc, un des plus beaux parcs d'Ivry, qui vient d'être rasé très récemment, il y a ces derniers mois, qui a été entièrement rasé et entièrement bétonné à 4 étages de hauteur. C'est-à-dire que Carmen Santana a tout à fait raison de dire qu'il vaut mieux monter et puis avoir un parc autour que de bétonner à l'horizontale. Ce qu'elle dit, c'est une vérité d'évidence. Eh bien, là, on a rasé le parc entièrement et on l'a bétonné à l'horizontale. Si je m'appelais Romain Marchand, j'aurais honte de ce qui est un véritable scandale. C'est une interpellation directe. On ne va pas lui donner la parole tout de suite. Romain Marchand, j'aurais vraiment honte. Voilà. On ne va pas lui donner la parole tout de suite. C'est une quintessence de scandale. On va prendre une autre opinion, peut-être. Madame, on va faire... Voilà, d'abord madame et puis ensuite... non, juste devant vous. Donc une opinion très tranchée, mais on est là pour ça. Tout à fait, absolument. Madame, nous vous écoutons. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est un débat et c'est intéressant, je trouve, dans un débat. Oui, pardon, si vous pouvez vous lever pour être
vue sur... Ou si vous ne le souhaitez pas, ce n'est pas grave. Je suis contente comme ça. Mais on fera avec. Okay. Je crois que je ne peux pas enlever mon masque parce que justement pour le Covid, il vaut... Non ? Je peux, pendant que vous parlez, si, je crois que vous pouvez, oui. Mais vous, c'est comme vous voulez aussi. Hein. D'accord. Et c'était très intéressant. Merci pour les interventions. Peut-être c'est agréable quand il y a un débat d'avoir aussi quelqu'un qui aurait un autre point de vue sur la densité, puisqu'il y a des gens qui portent d'autres points de vue sur la construction en France, et de montrer des exemples à Singapour et dans d'autres capitales européennes. Je trouve ça intéressant. Ça aurait été aussi intéressant de montrer ce qui se passe dans d'autres villes françaises. La métropolisation, qui a été vraiment le mot d'ordre, et quand même aujourd'hui aussi, on s'interroge hein, avec la ville du quart d'heure, avec voilà où on en est. Donc je regrette un petit peu ça. Moi, je travaille sur des villes en ce moment à Montluçon où il y a un tiers des bâtiments vacants. J'ai travaillé à Vichy, 20% des bâtiments vacants. Il y a beaucoup de mètres carrés vacants aussi en Île-de-France, dans les bureaux. Donc il y a aussi d'autres arguments. En tout cas, ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'effectivement, la densité, c'est pas un débat très productif, puisque quand j'ai vu là, que Saint-Denis et Joinville ont la même densité, enfin, voilà, on n'a pas le même sentiment quand on est dans ces deux villes. Et c'est vraiment intéressant de se dire que c'est pas la question, en fait. La densité, c'est comment on est bien en ville. Et peut-être... j'ai plein de choses à dire, mais je trouve que c'est un peu ça, comment on serait bien à Ivry. Moi, j'habitais à côté de la Cité Hoche, je suis aujourd'hui à côté du quartier parisien. On n'est pas tout le temps bien à Ivry, parce que c'est dur d'habiter en Île-de-France. Enfin, c'est plus mon cas aujourd'hui, mais avant, j'étais en appartement, avec deux petits-enfants. Mon conjoint et moi, on avait une heure de transport par jour. Donc même si on est au pied des transports, le soir, on n'a pas envie de se retaper des transports, même un quart d'heure, c'est trop, quoi. On ne peut pas redescendre les enfants, le machin, la poussette. Et à côté de chez moi, on sort, les enfants... Enfin voilà, c'est vrai que, je veux dire, la propreté, je sais qu'on en parle tout le temps, mais n'empêche qu'on se demande un peu aussi comment on va avoir des beaux espaces publics, bien gérés, parce qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on sait très bien faire. Donc avant, j'étais dans le petit Ivry, on avait un petit square. Franchement, en tant que parent, on n'en peut plus de ce petit square, quoi. On l'a vu dans tous les sens. Et c'est vrai qu'on a, même si on a une densité acceptable, peut-être, mais on n'a pas beaucoup de bons espaces qualitatifs et on a du mal à bien les gérer. La Cité Hoche, elle a des grands espaces verts. Moi, j'y allais tout le temps jouer mes gamins. Un jour, l'aire de jeu, elle a cramé et elle n'a jamais été remplacée. Enfin, en fait, je trouve que... je pense que ce qui serait intéressant, c'est savoir pourquoi on n'est pas si bien à Ivry, même si moi, j'y suis depuis 12 ans, mais j'y suis très attachée et je n'ai pas envie de déménager. Mais je connais beaucoup de gens qui déménagent, y compris les Ivriens de souche, qui mettent leurs enfants dans le privé, qui ne se sentent plus bien à Ivry. En fait, c'est des questions sociales, quoi, c'est vrai. Et je me sens un peu aussi, vous dites, on est un peu perdu dans le monde, et je trouve qu'il faut aussi se fier à son intuition. Et moi, je me sens un peu, quand je vois tous ces gros projets qui arrivent, je vois aussi l'avenue de France à côté, qui ne m'inspire pas à Paris. Il y a des rez-de-chaussée actifs, il y a des beaux espaces publics, c'est magnifique, les bâtiments, mais je ne m'y sens pas très bien, quoi. Donc je me dis comment, déjà dans des endroits qui sont hyper centraux, pourtant il y a la Seine, il y a le Jardin des Plantes à côté, c'est trop bien, quoi. Je pense qu'ils sont bien les gens, mais pourtant on s'y sent pas très bien. Je me dis, si on a ça à Ivry, déjà qu'à Ivry, la vie elle est pas toujours facile, c'est vrai, je trouve. Et si en plus ça ressemble à l'avenue de France, waouh, c'est chaud, quoi. Enfin, je me dis, j'espère que mes enfants, je me dis pas que c'est ça dont je rêve. En fait, j'aimerais bien qu'il y ait un quartier qui se construise, je me dis, j'aimerais que mes enfants y habitent. Là, c'est pas forcément toujours le cas. Et pour finir sur la métaphore familiale, je me sens peut-être un peu, tu vois, comme dans les familles où il y a un nouvel enfant qui va arriver et papa et maman, ils s'en sentent pas très bien, quoi. C'est pas très cool, la famille. Donc on est prêt à accueillir du monde, mais juste on se demande un peu comment est-ce qu'on a le cadre opportun et est-ce que c'est le meilleur endroit pour mettre des enfants en famille d'accueil, quoi. Il y a peut-être beaucoup d'endroits en France, beaucoup d'endroits en Île-de-France. J'entends qu'aujourd'hui les Parisiens, ils déménagent, c'est plutôt Rambouillet. Enfin, on a envie d'autre chose et voilà comment on fait une ville dont on a envie, en fait, c'est ça. Et moi, je n'ai pas envie de cette ville qu'on nous présente, quoi. Cette question de l'envie est très importante et on voit bien que la densité, si c'est la réponse à l'étalement urbain, c'est pas la réponse à tout. Ne coupez pas le micro parce qu'on va le passer à monsieur derrière vous et puis ensuite on viendra devant, on fera réagir un élu et puis on passera la parole aux trois personnes qui sont là. Monsieur, nous vous écoutons.
Bonsoir. Wolfram Liebermeister, habitant d'Ivry. Je voulais juste réagir brièvement à l'idée de la végétalisation des bâtiments, que je trouve très, très important. Et je voulais rappeler que quand même, on est ici dans un bâtiment avec des terrasses exceptionnelles, une architecture exceptionnelle, et pas seulement ce bâtiment-là, mais le centre d'Ivry. Et qu'en ce moment, la ville est en train de réduire la surface de beaucoup de ces terrasses en bétonisant des parties des terrasses, ce qui me semble assez hallucinant. Et je pense, avant de penser à de nouveaux bâtiments végétalisés, il faudrait vraiment préserver le patrimoine architectural qu'on a ici avec les terrasses végétalisées qui étaient conçues comme ça déjà dans les années 70. Donc je pense que c'est un grand enjeu pour la ville de préserver ce patrimoine. Merci, monsieur. Oui, allez-y, puis madame ensuite. Donc, on me présente Ossine Benelli. Voilà, donc je suis citoyen d'Ivry également. Alors, moi, j'ai plusieurs réflexions à soumettre parce que, par rapport déjà à votre présentation, que je trouve excellente, mais je regrette une chose, évidemment, vous, madame. Oui. Madame Pelloux. Les deux, elles sont excellentes, hein, vraiment. Donc, moi, ce que je regrette, évidemment, c'est de peut-être entrer dans une espèce de processus, dans une espèce de logique, évidemment, trop théorique et qui nous laisse, évidemment, piégés par les statistiques. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? C'est-à-dire, la ville n'est pas une statistique. La ville, évidemment, c'est le quotidien. C'est pas uniquement le quart d'heure, c'est vraiment la minute. C'est l'instant présent. Et vous avez parlé tout à l'heure, vous, évidemment, du quotidien, de l'instantané, de la vitesse, de la rapidité, évidemment, du temps. Voilà, vous avez abordé le temps. Eh bien, la ville, ça doit être le temps. Moi, dans mes lectures, évidemment, dans mes anciennes lectures, vraiment, quand j'étais jeune, et évidemment, j'avais parcouru, et je disais, la ville, en lisant Ibn Khaldoun, vous connaissez peut-être Ibn Khaldoun, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, Ibn Khaldoun, c'était un auteur d'Afrique du Nord qui a séjourné beaucoup en Afrique du Nord au XVe siècle. Et il disait de la ville, des textes magnifiques d'ailleurs sur la ville, il disait la ville, c'est la civilisation. Évidemment, parce que la nomadisation à l'époque, je parle du XVe siècle, était trop forte. On observe aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, finalement, que l'urbanisation est beaucoup plus importante est devenue beaucoup plus importante que les campagnes. Alors, revenez au texte, évidemment, aussi de mes lectures anciennes, de Friedrich Engels, la question du logement. Et il posait vraiment le problème en ces termes, c'est-à-dire quels sont les équilibres, évidemment, entre les villes et les campagnes. Or, ce qui est écarté complètement du débat, politique, mais à une échelle beaucoup plus haute, je dirais, dans cette sphère un petit peu de la réflexion politique, c'est qu'on ne parle plus d'équilibres territoriaux. C'est fini. Ça a été écarté. Donc, on rentre dans des processus systémiques, bien sûr, de logique de compression, je dirais pas de... Et puis, bien sûr, évidemment, de bétonisation. Mais elle a raison, madame, quand elle dit, moi, la ville, voilà. Voilà ce que je vis au quotidien. Mais c'est ça, la ville. C'est ce qu'on vit au quotidien. C'est ces respirations-là dont on a besoin. C'est vraiment arriver à parler avec son voisin sans se méfier. D'accord ? C'est vraiment un peu tout le rêve que vous nous aviez décrit à travers votre projet. Est magnifique. Sauf qu'il faut sortir, évidemment, de cette logique de compression pour arriver, évidemment, à étendre l'utopie, je dirais, l'utopie, à des équilibres territoriaux. Mais là, bien sûr, ce n'est pas l'affaire, évidemment, des architectes, mais la réflexion y est. D'accord ? C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on est quelque part contraint par un système politique mondialisé, un système économique, un ordre économique mondial qui nous enferme. Alors je pense évidemment à toute la logique, toute la production de Vincent Caillebotte, par exemple, que vous connaissez. C'est extraordinaire. Mais en même temps, on voit bien qu'il est contrit. C'est-à-dire qu'il rentre dans une espèce de process qui, moi, m'effraie. Parce que ça m'effraie, c'est effrayant. Vous avez ouvert
Ah oui, perspective temporelle, je me permets de vous presser un peu. Non, je vous en prie, mais je voulais quand même... Bon, je parle un petit peu à ce niveau-là, parce que c'est très, très important au niveau conceptuel, parce qu'on est là dans des idées. Donc, tout simplement, la ville, je reviens à Ibn Khaldoun, c'est la civilisation. Civilisation, ça veut dire c'est la culture. Or, moi, j'habite à Ivry, maintenant, ça fait 6 ans, à Ivry-Port. Eh bien, écoutez, il n'y a rien comme lieu culturel là-bas. Il n'y a rien. Et c'est scandaleux. Je vois effectivement émerger des bâtiments et des bâtiments à 10 moments. Alors, allez voir, venez, je vous emmène visiter les lettres, visiter les bâtiments qui se font. Il n'y a rien autour. Vous avez parlé d'espace public. C'est très, très bien. Votre intervention était magnifique. Parce que ce n'est pas les rues carrossables. La vôtre également, monsieur, pas je me permets... C'est les espaces à vivre. C'est les aires de jeu. Je me permets non la plus de vous presser, mais peut-être de vous arrêter. Attendez, vous avez raison, mais on a compris votre propos et votre intervention était aussi de grande qualité. Je finis, monsieur, je finis. Mais je vous y invite. Ce que je voulais dire, donc, voilà, ce n'est même pas un problème de densité ou de bétonisation, ainsi de suite, parce qu'il y a des bétons magnifiques, il y a des... Par contre, c'est surtout une question, évidemment, d'accès à la culture. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut faire de la ville vraiment un espace de culture. La nature, bien sûr, il faut qu'elle y soit. On parle aussi de ville de campagne dans la ville, ou de la ville-campagne. On peut théoriser énormément là-dessus, mais c'est fondamental. C'est fondamental, évidemment, cet accès à la culture. Voilà. Et puis, c'est aussi les lieux à côté, quand vous construisez des logements. Est-ce qu'il faut ? C'est tous les équipements associés, justement, à ça qu'il faut. Quels sont les équipements associés ? Zéro. Voilà. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est de l'ordre du public aujourd'hui est pris en main par, évidemment, une plutocratie ou une oligarchie, évidemment, qui refuse... Quel est le budget de la culture ici en France ? Si je prends la France, hein. D'ailleurs, on peut répartir ça sur le monde. Hein. Le budget, il est vraiment zéro. C'est nullissime. D'accord ? Donc, voyez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut quand même pousser la réflexion vraiment d'une manière un peu rude, quoi. Merci pour votre verve et vos références. Est-ce que vous voulez bien passer la parole à madame ? Juste... Bonjour. Je partage entièrement l'avis de monsieur sur justement tout le rapport à la culture et à l'espace public qui aujourd'hui n'est pas vraiment donné pour la culture. Moi, ma question, elle était un petit peu plus sur les espaces verts, justement, et la place qu'on leur donne, parce que j'ai trouvé très intéressant, justement, la végétalisation de l'architecture. Après, j'ai l'impression que c'était beaucoup de petits îlots et de choses isolées les unes des autres, et qui rentraient pas dans une logique globale. Et si je rapporte ça à la ville d'Ivry, j'ai l'impression que, alors oui, il y a toutes ces terrasses sur les bâtiments qui sont un patrimoine à sauvegarder. Il y a quelques parcs, mais il n'y a aucune cohérence des espaces verts les uns avec les autres. Notamment, par exemple, je me suis promenée l'autre jour, moi je viens d'arriver à Ivry, donc je connaissais très mal la ville. Il n'y a rien de fait sur les quais. Alors que beaucoup de villes développent, que ce soit Limoges, que ce soit Toulouse, beaucoup de villes développent les accès et la végétation autour des fleuves. À Paris, à Ivry, il n'y a vraiment rien. Et je trouve, alors je ne sais pas si vous travaillez sur des... On parle beaucoup des trames vertes et des trames bleues aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une réflexion globale à l'échelle d'Ivry, ou encore plus grande encore, mais sur la continuité des espaces verts, la continuité des espaces bleus, et qui plus est, dans un deuxième temps, j'aimerais introduire aussi la trame noire, qui sera respectée aussi... les végétaux et les animaux dans une ville globale et inclusive. Voilà. Merci. Clément Pectueux, Romain Marchand, vous souhaitez répondre aux questions ? Non, mais on va prendre d'autres interventions. Mais on va déjà peut-être faire réagir les élus à ces premières interventions, s'ils le souhaitent, s'ils le veulent bien. Et ensuite, je vous redonnerai la parole, n'ayez crainte. Voilà, hop. Vérifier qu'il est bien ouvert. C'est le cas. Merci. Merci pour les présentations. Merci. Je vous ai pas présenté. Oui, Clément Pecqueux, donc adjoint à l'écologie urbaine. C'est ça. Et aux politiques intercommunales. Ce qui est important, parce que quand on regarde les cartes qui nous ont été présentées au départ, les interrelations,
et les systèmes de codépendance entre les territoires est un facteur extrêmement important, surtout quand on est dans une agglomération comme la nôtre. Il ne faut pas le perdre de vue. Et quand je vous cite des exemples qui sont des villes moyennes sur des territoires ruraux, les questions de codépendance et d'interaction sont au cœur du problème. Tout à l'heure, vous avez parlé des équipements et du rassemblement des équipements. On est au cœur de ça, c'est-à-dire que dans les villes moyennes, vous citiez Vichy, etc. Effectivement, il y a du travail sur le réinvestissement de ces zones. On parle beaucoup des centres-bourgs pour leur redynamisme, etc. Parce que suite à la désertification rurale, maintenant, il faut qu'on remette de l'activité au cœur de ces agglomérations. Mais dans ces agglomérations qui sont les seules à tenir une capacité permettant d'avoir un accès à la culture, d'avoir un accès aux équipements intercommunaux, etc., ça devient des centres denses, d'une manière ou d'une autre, parce que du coup, on crée une attractivité qui, dans un territoire rural, n'existe pas ailleurs. Par ailleurs, c'est souvent des zones dans lesquelles le taux d'emploi est le plus dense. Et donc, on crée des mouvements pendulaires entre des gens qui sont partis dans des pavillons ou dans des maisons très confortables et qui se retrouvent à aller en centre urbain moyen, qui devient dense, parce qu'il y a cette nécessité d'accéder à l'emploi. Donc, je ne crois pas que le modèle tel qu'il est décrit et tel qu'il est posé en débat entre une ultra-densité qui serait abjecte et un paradis lointain dans un milieu rural avec des villes moyennes soit à poser dans cet angle-là. À mon avis, il y a une dichotomie. Oui, non, c'est pas ce qu'avait dit madame, effectivement, non. mais c'était par rapport, mais c'est peut-être mais aussi que une madame, autre question, on ne va pas pouvoir non, mais madame traiter, a parlé... mais qui était par rapport à la métropolisation. Non, mais je parle bien de ça, c'est-à-dire que le facteur de métropolisation, je suis d'accord avec vous, moi je suis un territorialiste, pour ceux à qui ça parle, donc effectivement, le système de métropolisation a fracturé le territoire nous a imposé un regroupement toujours plus conséquent vers des centres métropolitains qui condensaient tout, la culture, les équipements publics, l'emploi, etc. Je suis d'accord, il faut déconcentrer cette métropolisation de manière à pouvoir réinvestir les centres-bourgs, réinvestir les départements dits ruraux, mais dans lesquels il y a des centres d'intérêt. Avec ça, on est d'accord. Maintenant, nous, on est en première couronne parisienne. Voilà. Qu'on le veuille ou non. Il y a une concentration de l'emploi, il y a une concentration de l'activité, il y a une concentration de l'accès à la culture, aux équipements publics, aux transports en commun, etc. etc. Et donc, il nous faut, au-delà de la philosophie générale que vous avez dressée, monsieur, et que je partage en partie, il y a un état de fait. Nous sommes dans un territoire qui se densifie, qui apporte toujours plus de population, parce que attiré par l'emploi, par l'accès à la culture et aux services. Et si vous me permettez, Clément Pécleux, juste un chiffre, je l'ai vu cette semaine, le comité régional de l'habitat révélait qu'en 2020, il y a eu 740 000 demandes de logements sociaux en Île-de-France et 62 000 attributions liaisons fautives. Donc ça dit les besoins en termes de logement. Hein. Donc c'est... Okay. Alors, oui, vous aurez la parole, n'ayez crainte. Non, mais là, on vous entend pas en particulier sur Internet. C'est pour ça que je souhaite pouvoir vous amener le micro. Oui. Voilà. On n'est pas en désaccord, mais ça ne répond pas à la question. Alors, faisons en sorte que toutes les villes respectent la SRU 2 et construisent leurs logements sociaux, etc. Je rappelle quand même que c'est une bataille politique, juste, et que tous les bords politiques ne regardent pas le logement social de la même manière. Donc peut-être qu'il faudrait remettre, effectivement, dans le débat public national, les choses au centre. Ensuite, il y avait la question sur la question des trams que vous avez posée, madame. Oui, Ivry travaille, et c'est le cœur du travail sur la conférence climat, dont je remercie Étienne de la qualité de son observation et de la façon dont il a fait ça avec toute objectivité, sachant que c'est un processus qui est en cours. Mais la qualité de la conférence climat, c'est justement de parler de ces trams vertes. De ces trams bleus, de ces trams noirs. Il y a des propositions très objectives qui ont été faites,
très structurante à l'échelle des quartiers, à l'échelle de la ville. Et donc, on va construire les politiques publiques qui permettent d'y aller dans les années qui arrivent. Il va nous falloir un peu de temps. Mais en tout cas, on y travaille fortement. Il y a 350 propositions qui sont en train d'être faites dans le cadre de la conférence climat par les habitants, dans le cadre des ateliers co-construction. Donc ça produit. Ça produit des propositions. Ces propositions, ensuite, elles seront suivies avec des comités de suivi dans lesquels il y aura tous les participants qui souhaiteront suivre la dynamique sur le long terme. Et puis, on va tirer cette dynamique sur le long terme. Mon ami Bernard en sera un des garants pour qu'il y ait des comités de suivi de réalisation de l'action. Bernard Prieur, adjoint à l'Assemblée citoyenne. Voilà, donc on y travaille. On y travaille fortement, justement, pour restructurer et pour remailler, comme le disait Carmen, de rétablir la trame verte et bleue comme structurante du développement de la ville. C'est le cas dans Évry Confluence. Je vous invite à aller voir le projet pour ceux qui ne le connaissent pas, où, pour une fois, on a inversé les choses. C'est-à-dire qu'on part d'abord de la trame structurante des espaces publics et des espaces déminéralisés et végétalisés, pour ensuite mettre du bâti. Après, il y a la question de la densité vécue et de la densité réelle. On est dans une ville qui est en fort développement. Tout à l'heure, Étienne le disait, les 75 000 habitants qui sont présentés, ce n'est pas un choix politique. C'est une dynamique métropolitaine. Voilà. L'arrivée de population sur l'agglomération parisienne, comme vous l'illustriez, fait que, mécaniquement, la demande et la pression qui est exercée sur les villes, c'est une courbe qui est exponentielle, et donc, du coup, il faut y répondre en partie. Il ne faut pas y répondre n'importe comment, il faut y répondre avec une densité qui soit la mieux acceptée, ou la plus harmonieuse, comme disait Philippe tout à l'heure, pour que les espaces publics, les espaces végétalisés, priment sur la construction et sur, la densité de logement qui est produit. Donc, je crois qu'il faut, regarder ce débat avec sérieux, mais il faut le regarder d'une manière apaisée dans une ville où on a encore la possibilité d'agir. Ce que vous aviez décrit tout à l'heure, madame, c'est dans le tissu constitué de la ville. C'est un héritage avec lequel il nous faut travailler. Donc le travail sur les trames vertes et bleues, justement pour relier ces espaces qui semblent parfois incohérents, puisque ponctuels d'espaces verts dans la ville, il faut travailler à leur liaison. D'abord pour les bienfaits de la biodiversité, ensuite pour rendre l'espace public plus agréable et puis pouvoir trouver une trame cohérente dans la ville constituée. Et dans la ville qui n'est pas encore constituée, en tout cas qui est en forte transformation comme à Ivry-Confluence ou à Gagarine, on cherche à faire autrement et à réinverser le paradigme, comme le disait tout à l'heure Carmen. Donc, alors, et donc oui, mais On est d'accord, mais la qualité de l'espace public et le taux de végétalisation de la ville, l'abaissement de la chaleur urbaine, le travail sur les rez-de-chaussée, le travail sur l'offre culturelle et commerciale qu'il va falloir réinvestir dans ces lieux qui autrefois étaient unilatéralement tertiaires. Hein. C'était des industries, il y avait du béton, il y avait des parkings et de la logistique, point. On a de la chance de pouvoir y aller. Et sur la Seine, tout à l'heure vous parliez de l'ouverture sur la Seine, qui est pour moi effectivement une chance absolue pour notre territoire. Effectivement, on va travailler à l'ouverture sur la Seine, à l'accès à l'eau, au rétablissement d'une Seine qui est un vecteur de vie à la fois économique, à la fois de loisirs, d'accès peut-être un jour à la baignade, qui sait. En tout cas, on y travaille. Donc, effectivement, mais je voudrais juste qu'on peut avoir tous les débats et on peut travailler sur des grands sujets, comme celui de la densité urbaine dans un centre métropolitain comme le nôtre. Je veux juste qu'on mesure la chance que nous avons à Ivry de pouvoir faire autrement. Dans les villes les plus denses que madame vous décriviez tout à l'heure, il n'y a plus moyen de faire autrement. C'est terminé. Le tissu, il est figé. Voilà. Donc, sauf à nous m'expliquer qu'à Levallois-Perret, on va tout casser, on va tout raser et faire autrement. Pour l'instant, c'est figé, et à mon avis, pendant encore des grandes décennies. Donc, travaillons plutôt collectivement à faire en sorte que l'avenir soit meilleur que celui qui a été constitué jusqu'à présent, mais soyons dans un débat apaisé et constructif. Merci. On va prendre Bernard Prieur, voilà, et puis ensuite, alors vous avez le micro, donc vous avez un petit avantage sur monsieur qui l'avait demandé avant, mais bon, oui, ça ira. Oui, ce qui me semble justement dans la continuité de ce que vient de dire mon ami Clément, sur l'aspect apaisé. Alors, il y a deux, trois choses que je souhaitais dire. C'est que la démocratie, effectivement, elle est vivante
et elle est souvent conflictuelle, et il faut accepter les conflits. Moi, mon travail, ma mission, c'est effectivement de faire en sorte que chacun, dans la majorité à laquelle je participe, et c'est la mission que m'a donnée le maire, que chacun puisse s'exprimer dans son expression de la manière où il vit la ville. Donc, moi, je remercie les personnes présentes dans la sincérité de leurs interventions, parce que c'est aussi avec ça qu'on construit. Ce que je souhaitais préciser, en fonction de ce que tu disais, Étienne, c'est que le travail de construction dans le cadre de l'Assemblée citoyenne, il a commencé dès septembre l'année dernière, d'accord, 2020. Avec Clément, on a rencontré des associations, des personnes lambda dans tous les quartiers, afin de construire avec elles et de leur faire entendre comment on concevait aujourd'hui, au sein de cette majorité-là, le rapport à la démocratie. Ce que l'on souhaite, c'est que la ville se construise avec la population. Ça veut dire que l'ensemble des propositions qui se sont progressivement construites sur toute l'année, avec des moments particulièrement importants, comme pendant les mois de l'été, toutes ces rencontres qui se sont passées, les ateliers là qui sont des moments étapes, où l'ensemble des personnes qui sont les plus investies viennent faire état de leurs propositions, viennent entendre aussi la proposition de tous ceux et de toutes celles qui se sont investis, qui se sont engagés, afin de construire ensemble, afin d'arriver à ce moment, comme le disait le maire tout à l'heure, où des propositions seront soumises à la votation des citoyennes et des citoyens, de manière à ce qu'ils priorisent les propositions qui seront faites. Mais ça ne peut pas s'arrêter là. Ça veut dire que dans la continuité du travail qui se fera après le 4 décembre, ce sera la mise en œuvre de ces propositions qui seront à la fois des propositions qui émaneront des associations, des citoyens, des citoyennes, mais également des participations de la population à la mise en œuvre de la politique de la ville, se feront de manière construite, organisée, structurée, dans le cadre de comités de suivi auxquels participeront les élus, participeront les services et participeront les citoyennes et les citoyens. Vous serez informés de cette structure qui sera mise en place de manière à ce que rien ne vous échappe. Cette ville, elle est en construction. Et d'ailleurs, quand on parle d'Ivry-Port, il n'y a pas qu'Ivry-Port à Ivry. Il y a le Petit Ivry, il y a Louis-Bertrand, il y a Vérolo, et tous ces quartiers-là sont en mouvement. Et chacun avec leurs réclamations, chacun avec leur colère, chacun avec leur exigence. Moi, je suis élu du petit quartier à Ivry, du Petit Ivry, pardon. Et sur le Petit Ivry, il y a une cité qui s'appelle Pierre et Marie Curie. Et moi, j'y travaille. J'y travaille et je peux pas dire que ce qui est produit crée de la satisfaction. Mais par contre, c'est un travail qui produit des effets. Parce que construire dans l'état où se trouve la ville par certains endroits, et cet engagement qui est le nôtre, de faire de cette ville une ville du futur, parce qu'en fait, on a entre un quartier immense comme Ivry-Port, qui est en pleine restructuration, ça fait 30 ans que ça dure, mais c'est un temps long, c'est un temps qui nécessite de l'éducation populaire, pour que chacun puisse s'en saisir, et chacun puisse comprendre pourquoi tout n'arrive pas au même moment, pourquoi est-ce que les appartements sont construits avant qu'il y ait les théâtres. Pourquoi est-ce que les théâtres arrivent avant les cinémas? Pourquoi est-ce que les espaces verts tardent à venir? Ça, c'est une construction collective. Et moi, je crois que l'exigence citoyenne, elle est légitime, et elle est d'autant plus légitime qu'elle s'exprime dans les lieux où le travail se fait. Et c'est pour ça que l'Assemblée citoyenne a tout son sens. C'est pour ça qu'elle est utile. C'est pour ça que cette majorité-là, elle est particulière. C'est pas pour rien que cette majorité-là, elle est composée aussi d'un tiers citoyen. Un tiers citoyen qui a une parole citoyenne, dégagé de tout engagement particulier, si ce n'est l'intérêt général. Donc ça, c'est très important parce que dans la mandature sur laquelle on travaille, vous allez pouvoir le vérifier parce que vous serez présent dans les moments de réalisation. Juste une chose que je souhaitais dire, pour avoir travaillé très longtemps dans le cadre du logement social, j'aimerais que vous ayez raison, madame, que le logement social soit la réponse à la pauvreté. Mais ce n'est plus le cas. Parce que maintenant, il y a le souci d'équilibre lié aux conditions de gestion qui ont été imposées aux bailleurs sociaux depuis 1977. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Avec l'aide à la personne, à partir du moment où on est sorti de l'aide à la pierre, a provoqué la mise en difficulté et quasiment en faillite du logement social dans certains endroits, quand ils ne sont pas soutenus particulièrement par une ville engagée et mobilisée. Donc même les pauvres, ils ne peuvent plus accéder au logement social.
Parce qu'il y a des contraintes, il y a ce qu'on appelle le taux d'effort. C'est-à-dire que si le coût du loyer est trop élevé et trop important, eh ben vous ne pouvez pas accéder au logement social. Le paradoxe, c'est ça. C'est que moins vous gagnez, et plus vos chances d'accéder à un logement social, parce que ce patrimoine de logement social qui permet à ces familles les plus pauvres d'accéder à un logement, il disparaît à fur et à mesure parce que les modes de financement sont tels, les modes de prêt, les modes de financement font que bah, la construction est de plus en plus chère et les loyers sont de plus en plus élevés. Donc voilà, même paradoxalement, le logement social va de moins en moins pouvoir accueillir de pauvres. Donc ça veut dire qu'il y a une urgence absolue, une urgence politique, une urgence sociale, une urgence démocratique et surtout une urgence démocratique parce que de mon point de vue et de la mission qui est la mienne me paraît extrêmement importante parce que si ça ne se fait pas dans le cadre de la démocratie, ça ne se fera pas. Ça veut dire que votre participation, elle est impérative. Et notre responsabilité à nous, c'est de faire en sorte que votre participation, même si c'est pour nous remettre en question, même si c'est pour nous critiquer, même si, comme le fait parfois Étienne, comme on se connaît depuis longtemps, si c'est pour nous engueuler, c'est la règle du jeu. Ça a été le cas. C'est la règle du jeu. Merci Bernard Prieur. On va prendre donc les interventions des personnes qui ont levé la main. Madame, monsieur, et puis monsieur au fond. Et peut-être monsieur, mais alors... Si je vous redonne la parole, il faudra quand même que ça soit bref. Et ensuite, on conclura notre soirée. Monsieur aussi, peut-être, qui n'a pas parlé. Oui. Donc, les uns les autres, essayez d'être aussi bref que possible, de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer. On fera ensuite, peut-être, en forme de conclusion, réagir Romain Marchand. Et puis, comme l'heure tourne, eh bien, il faudra qu'on se quitte. Mais ce n'est qu'un débat, on le poursuivra. Madame, nous vous écoutons. Ah, alors... Je voulais dire que c'est vrai qu'effectivement c'est une chance inouïe d'être à Ivry où effectivement il y a en fait on est je mesure je voudrais pas forcément être à votre place parce que je mesure le poids que vous avez sur les épaules que les modifications que vous allez faire elles peuvent impacter sur énormément de temps et la question c'est il faut pas louper cette chance qu'on a de potentiellement faire une ville très bien. Mais du coup, ma question, c'est, tout à l'heure, on disait par exemple que pour avoir une densité heureuse, il faut imaginer les espaces publics d'abord et ensuite les bâtis. Et je pense qu'il ne faut, faut pas qu'on reste trop dans les idées générales, mais qu'on parle de qu'est-ce qui s'est passé à Ivry pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et du coup, qu'est-ce qui interroge à Ivry dans notre spécificité propre pour pouvoir formuler des questions pour plus tard. Et moi, ma question, c'est actuellement, c'est, en tout cas de ce que je vois, mais moi, je ne suis pas non plus une spécialiste de la question, on a l'impression que c'est d'abord les bâtiments qui sont arrivés avant les espaces publics, et même avant parfois les écoles. Et du coup, ma question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour préserver et d'abord bâtir le public, sachant que les promoteurs, eux, ils ont plein d'argent, ils arrivent tout de suite, ils ont plein de pression pour construire tout de suite. Eux, ils savent comment se financer. Et comment est-ce qu'on protège cet espace public? Parce qu'effectivement, c'est un moment, je pense, en petite couronne, qui est une énorme chance. Mais il ne faut pas passer à côté parce qu'il y a des... Voilà, c'est tout. Et parce que je rejoins tout le monde, si c'est raté, ça sera raté pour... les promoteurs, dans 10 ans, ils ont fait leur blé, ils sont partis. C'est pas eux qui vont vivre 50 ans ici. Et c'est vrai que la parole des habitants, elle est chiante parce qu'on est chiant. Mais c'est vrai que c'est nous qui allons habiter, subir les erreurs faites pour très longtemps. Voilà, c'est tout. Merci pour cette intervention. On passe passer la parole à monsieur avec la veste verte. Peut-être voilà, qui demande la parole depuis longtemps. C'est pour ça que je lui transmets en premier. Oui, bonsoir, merci. Donc, je m'appelle Daniel, j'habite Ivry depuis un peu plus de 40 ans maintenant. Alors, en ce qui concerne le nouveau quartier Ivry Confluence, moi, je m'y suis baladé un petit peu. J'habite plus près du parc des Cormailles et de la Poste. Ça m'a semblé extrêmement... avec pas beaucoup d'arbres quand même, pas beaucoup de pleine terre, avec des lieux très réussis. Hein, autour de la minoterie, je trouve que c'est vivant, c'est très sympa. La rue des Lampes, c'est sympa, mais c'est en devenir encore. Il y a des choses comme ça qui sont réussies, mais je ne suis pas sûr que du point de vue de l'îlot urbain, ce qui est déjà réalisé fonctionne vraiment, quoi. Parce que il y a quand même une densité sans énormément d'îlots de végétation. Barcelone, j'y étais plusieurs fois, j'y étais y compris il n'y a pas très longtemps.
Les Ramblas, ça donne des splendides espaces de respiration avec de la végétation et de la vie. La vie, ce qu'on aura du mal à faire à Ivry-Confluence. C'est le problème aussi, quoi. Et j'ai l'impression que beaucoup des 30% que vous avez dit d'espace public à Barcelone, c'est des lieux qui sont en périphérie de la ville aussi, j'ai l'impression. Non ? À Barcelone, il y a beaucoup d'espaces partagés, oui, d'espaces publics au centre, oui. En particulier. Donc, oui. Vous parliez des Ramblas. Oui, oui. Ouais, il y a une autre ville qui est très intéressante en Espagne, c'est Vitoria-Gasteiz, qui est la capitale du Pays basque espagnol, où il y a une 30% aussi d'espaces plantés là, et réellement arborés. Et effectivement, par rapport aux îlots urbains, c'est intéressant, même si le centre de Vitoria est une vieille ville extrêmement dense et très semblable au centre de Barcelone ou au centre de Paris. Hein. Elles se ressemblent toutes de ce point de vue-là. Mais avoir des zones avec une surface importante de grands arbres, je ne suis pas sûr que, enfin, d'arbres pouvant se développer, je crois qu'on a, vraiment, et de la pleine terre pour assurer le fonctionnement du cycle de l'eau. Excusez-moi. Je crois que c'est extrêmement important et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment réalisé à Ivry-Confluence. Même si votre opération paraît intéressante là. Ce n'est pas Ivry-Confluence, je sais. Gagarine Trudeau. Voilà. Merci, monsieur. Passez la parole derrière vous. Voilà, juste derrière vous, voilà, monsieur. Et ensuite, monsieur, tout au fond, et on reviendra sur vous. Alors, bonsoir, mais... Je remercie toutes les personnes qui se sont exprimées. Alors, en ce qui me concerne, je suis Tanguy Le Dantec, je représente France Nature Environnement. Je suis OCA de FNE Paris, conseiller scientifique et également à la Seine n'est pas à vendre. Certains ont peut-être eu affaire à toutes ces assauts environnementales. Alors, il y a tellement de choses. J'ai autrefois habité Ivry, j'habite actuellement Paris, mais j'ai habité Ivry 6 ans quand même. Donc c'est toujours une joie de revenir un petit peu vous voir dans cette ville dans laquelle j'ai eu et j'ai encore tellement d'amis. Alors, il y a... Que dire? Comment commencer? Il y a eu de très beaux exposés avec juste quand même une remarque, à savoir que la végétalisation telle qu'elle est proposée sur les bâtiments, ça ne fonctionne jamais. Édouard François, ce qu'il a développé, ça ne fonctionne jamais. C'était l'exemple de Nice. Hein. Quoi ? Bon, donc c'est un très mauvais exemple technique. Alors, ça c'est un petit point, mais sur Ivry, par rapport à ce qui se passe en général. Non. Vous m'inquiétez avec vos notes, j'ai l'impression que... Tellement parce que... Oui, c'est alors, ça qui m'inquiète. Oui, quand on parle de la densité, je me souviens d'une longue discussion que j'ai eue avec Emmanuel Grégoire, adjoint à l'urbanisme à Paris, qui par ailleurs est un ami. En général, quand on tente de faire passer une densité aux gens, la première chose qu'on fait, c'est de ne pas parler de chiffres, c'est de leur parler, c'est subjectif, c'est pas important, enfin tout ça. Alors que la densité, j'ai écrit quelques bouquins quand même sur la question, si, c'est objectif, ça a des conséquences sur la santé humaine. On a évoqué l'histoire de la ville du quart d'heure, en réalité c'est une théorie qui a été empruntée aux Américains, c'est le 20 Minutes Neighborhood qui a été volé par Carlo Moreno, qui a raconté n'importe quoi dessus également. C'est évidemment beaucoup plus complexe, mais à la base, c'était des réflexions sur ce qu'on appelle la marchabilité d'une ville. Alors, concernant Ivry, il y a quelque chose moi, qui me sidère dans ce débat, c'est-à-dire la fracturation de tous les territoires. C'est-à-dire que si on voulait avoir une réflexion écologique cohérente, il faudrait penser en termes métropolitains, il faudrait penser avec Paris, il faudrait penser avec toutes les communes autour et penser, on va dire,
quel est le contexte précis des interventions dans lequel c'est fait. C'est-à-dire que on est à côté, il faut également se réfléchir à ce qui va se passer dans 10, 20 ou 30 ans avec un réchauffement climatique qui va s'accélérer et donc comprendre comment fonctionne par exemple un îlot de fraîcheur, comment est-ce qu'on lutte contre des ICU. Or là, vous avez une chance absolument sidérante, c'est effectivement... Dites que vous êtes occupé. À la Seine. Désolé, je suis harcelé par beaucoup de monde veut me parler. Donc il y a un potentiel de normalement, on va dire, la végétation, pour qu'elle puisse abaisser la température, doit avoir accès à l'eau. D'ici 30 ans, on va dire, en été, la majorité des sols seront considérés comme des sols secs, c'est-à-dire l'équivalent d'une sécheresse extrême par rapport à l'Île-de-France. Et autrement dit, l'endroit qu'il faudrait végétaliser en priorité, ce sont les écosystèmes ripariens, c'est-à-dire ceux qui sont en contact direct avec le fleuve, c'est-à-dire là où les arbres, si possible de grandes tiges, ont les moyens d'extraire de l'eau pour pouvoir ensuite... C'est ce qu'on appelle le cycle de l'évapotranspiration. Ça a été évoqué par monsieur, que je remercie, parce que c'est une remarque extrêmement pertinente. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de densifier, de bâtir et de construire un secteur qui, si on regardait à l'échelon métropolitain, qu'il faudrait en priorité végétaliser. Mais le problème étant que à chaque fois que je passe de commune en commune, chacune ne raisonne qu'à sa petite échelle, veut faire du profit à sa petite échelle, se précipite pour densifier, parce que ce discours-là, je l'ai entendu, on va dire, 20 fois, 30 fois, alors qu'il faudrait absolument coopérer entre elles. Or, on le sait, par exemple, la ville de Paris, qui est très puissante, a beaucoup de mal à coopérer avec le reste. Et il a été évoqué... Ou ce sont peut-être les autres qui ont du mal à coopérer avec Paris aussi. Je ne veux pas vous lancer sur une autre piste. Du temps de Pierre Mansart, extraordinaire adjoint, on va dire, il y avait des coopérations beaucoup plus vertueuses qui se mettaient en place. C'était sous Delanoë, il était PCF, et c'était la crème, pour le coup, de ce parti. Mais justement, quand on voit l'avenue de France, on se pose la question, quel va être le lien avec Ivry? Parce qu'on a... on va dire, le secteur le plus ultra-densifié de Paris, qui est un repoussoir absolu, où toutes les réflexions urbaines classiques ont été inversées et faites en dépit du bon sens. Et en plus, vous allez avoir une forêt de gratte-ciel, si on continue les choses. Alors, nous sommes en train de lutter à FNE contre. Vous allez avoir une forêt de gratte-ciel de 180 mètres de haut qui va vous narguer et regarder Ivry. Et quel est le message? Comment est-ce que vous allez métropoliser tout ça? Comment est-ce qu'on peut tisser la moindre cohérence, on va dire, entre Paris, le 13e arrondissement, le 12e arrondissement? Il y a également une autre forêt de gratte-ciel en préparation, c'est Bercy-Charenton. Enfin, la question fondamentale, c'est... ce n'est pas seulement de parler d'Ivry ou de parler même de son Ivry, c'est de regarder au-delà. Nous sommes dans une métropole, nous sommes dans un ensemble constitué. Et si on parle d'écologie, le thème de cette conférence, on voit un ours, eh bien, il faut penser plus... enfin, un ours polaire. Il faut penser absolument plus loin. Là, le risque, c'est que vous êtes en train de saccager un territoire écologiquement ultra précieux pour des questions de court terme, de remplir ça... de façon, encore une fois, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que ça me semble quand même... En tout cas, avoir une vision de long terme et une vision d'ensemble, hein, si je résume votre intervention. Voilà. Alors, on va passer... penser l'écologie. L'écologie, ça dépasse les questions simplement des limites structurelles d'Ivry. On ne peut pas faire semblant, si on parle du lien entre densité et réchauffement climatique, là, on a eu droit à des exposés, mais on n'a eu absolument rien sur la question de comment est-ce que concrètement on va lutter contre ce réchauffement climatique, là, ce soir. On a entendu des propositions concrètes ? Rien. C'était le thème de ce débat, en tout cas, densité face aux enjeux climatiques. Alors, ces deux messieurs, et puis on va faire réagir Romain Marchand, et on devra... Et madame, voilà... Ouais. Bonsoir. Je voulais intervenir sur un sujet qui semble totalement trivial, mais qui me semble quand même assez impensé, que ce soit dans les politiques publiques ou dans les réflexions urbanistiques. C'est le sujet des espaces verts et des espaces privés et de leur gestion. Ça fait sens, à mon avis, d'en parler ici, d'une part, parce qu'effectivement, on a des praticiens de la ville, on a des élus, des gens d'action, des gens de réflexion sur ce sujet.
Ça fait sens, à mon avis, également à cette période précise où on a vu une ministre maladroitement dire que le pavillon, ce n'est pas le modèle, et se faire battre en brèche, alors qu'effectivement, enfin, le pavillon, la bagnole et 10 maisons à l'hectare, ce n'est pas l'avenir. Ça, c'est sûr, c'est acté, mais ça fait mal de le dire. Ça fait sens de peut-être le dire aussi à Ivry. On a vu avec la densité, alors si je me rappelle les chiffres, c'est 100 habitants à l'hectare, 50 emplois à l'hectare, 150 en tout. Donc on n'est pas sur l'hyperdensité de Paris, on n'est pas sur l'urural qui n'existe plus, qui est du périurbain peut-être un peu égoïste, en se disant j'habite pas très loin d'une métropole, mais je prends ma bagnole et je m'en fous un peu de l'avenir. Donc on est comme sur un entre-deux qui fait peut-être sens. On est aussi sur une ville avec un passé ouvrier, mais un passé ouvrier, les ouvriers eux-mêmes avaient un passé paysan. Donc les ouvriers avaient une façon de gérer la ville, une façon de gérer l'espace, une façon de gérer leurs plants de tomates et le clapier à lapin. Peut-être que ça se perd. Et ça fait sens aussi peut-être parce que personnellement, je suis venu à Ivry depuis un an et demi. J'ai un petit bout de jardin et j'ai un arbre dans mon jardin. C'est tout petit, mais ça fait sens. Donc cette question de la gestion des espaces verts privés, je ne la vois pas souvent apparaître. Je l'ai vu apparaître dans les espaces, dans le logement social par exemple, où effectivement, il y a 40-50 ans, on faisait des grands ensembles avec une densité, géométriquement, voilà, on fait un R plus 10 et on fait beaucoup d'espaces verts à côté, à part que ces espaces verts n'ont souvent pas été gérés, c'est devenu des parkings, c'est devenu des espaces sans qualification, c'est devenu des espaces plutôt négatifs, et on a maintenant lancé des processus de résidentialisation ou de qualification de ces espaces pour faire en sorte que ce soit plus juste du mètre carré qui ne sert à rien, mais quelque chose de qualificatif. Sur Ivry, on a une chance d'avoir comme un tissu urbain qui se prête beaucoup à ça, mais on n'a pas ni de sens, ni peut-être de politique publique qui s'y prête. Alors, c'est la faute à personne, hein. C'est juste que c'est une réflexion qui émerge par des usages qui se renouvellent ou des absences d'usages qui se renouvellent. Et j'aurais juste donné une anecdote par rapport à une qualité qu'a Ivry sur une autre ville qui est Paris à côté. Une petite chose qui, en termes de politique publique, n'est rien du tout, mais qui fait beaucoup de sens. À Paris, le barbecue est interdit. À Ivry, le barbecue ne l'est pas. Donc moi, dans mon barbecue, j'invite les copains à faire dans mon jardin, j'invite les copains à faire barbecue, qui est tout petit jardin. Mais c'est quelque chose qui fait sens. Et c'est quelque chose que j'ai échangé avec des élus parisiens qui se disent, mais effectivement, on a une loi qui date, c'est plutôt le règlement sanitaire départemental, si je ne me trompe pas, qui date d'il y a 120 ans, qui a interdit le barbecue à Paris pour éviter les incendies. Ça ne fait plus aucun sens maintenant. C'est une préservation. Mais ce qui fait qu'à Paris, on ne peut pas faire un barbecue, à Ivry, on peut le faire. Voilà une politique publique qui a du sens. Voilà des choses qui ont du sens. Et quand on parle de végétalisation, quand on parle d'espace vert, d'espace de pleine terre, de choses qu'on trouve dans les PLU, dans les postes, les cheminées sont autorisées à Paris, mais pas les barbecues. Donc, voilà, quelles sont les modalités qu'on peut trouver, comme en termes de réflexion, en termes de politique publique, pour justement valoriser ces espaces privés qui font sens et qui font sens également dans les différentes trames. Merci, monsieur. Alors, juste devant vous, vous me promettez brièvement, et puis on finira avec madame. Très rapide, parce que je voulais quand même intervenir en parlant de démocratie, de participation, de concertation. Le grand concept de concertation, je regrette, alors, cher camarade Romain, c'est que, autant au début j'y ai cru... Dans les débuts, je parle de quand je suis arrivé à Ivry, je suis venu à tous les ateliers. Et puis le Covid est arrivé et tout s'est fait évidemment sans concertation. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc je ne perds pas espoir parce qu'il faut revenir là-dessus. Et je regrette une chose, c'est que ce qui s'est fait évidemment sur la scène, on n'a pas été concerté du tout. Et vous avez parfaitement raison parce qu'il était prévu au départ un parc magnifique, évidemment. Et là, il est complètement minéralisé. C'est fini. C'est dommage, ça. On aurait pu en discuter. On aurait pu, évidemment, échanger sur ces questions-là. Et arriver à avoir des espaces, évidemment, qui, eux, peuvent absorber, évidemment, cette empreinte carbone, lutter contre, évidemment, le dérèglement climatique, et ainsi de suite. Voilà. Et tout le reste. Merci, voilà. Monsieur. Passez le micro à madame... Voilà, donc la dernière intervention avant que Romain Marchand ne conclue. D'abord, je m'excuse, je n'ai pas pu participer au débat, je suis arrivée tardivement. Je vous en prie. Mais je voulais juste dire quelque chose. Je participe à beaucoup de débats depuis que je suis installée à Ivry. Et il y a quelque chose qui me frappe, on est en train d'opposer ceux qui défendent l'urgence face à la crise du logement
de ceux qui sont déjà logés et qui demandent et revendiquent des espaces verts, etc. Et je trouve ça dommage. Je voudrais qu'on ait en tête les erreurs que nous avons faites en France dans les années 50 et 60 face à la crise du logement. Nous sommes toujours en train de les réparer. Je voudrais qu'on en tire des enseignements. Vous avez parlé des grands ensembles. Je voudrais qu'on tire des enseignements de ces échecs-là. Et voilà. Et M. Péqueux, vous avez dit quelque chose qui est très juste. Ivry a une opportunité formidable. C'est un territoire en mutation. Il y a beaucoup d'opportunités. C'est vrai, ne les gâchons pas. Et je crois que ça mérite qu'on ait une vraie réflexion. Et je crois que la densité, l'équilibre entre densité, espace de proximité, espace vert de grande taille, je crois que ça mérite une réflexion. De même, et là je me tourne un peu vers les architectes, nous avons, nous avons depuis 20 ans démoli toutes les tours en HLM parce qu'elles ont dysfonctionné. Et aujourd'hui, on revient à l'habitat de tours et je voudrais aussi qu'on tire les enseignements. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi l'habitat de Tours n'a pas fonctionné? Ne recommençons pas les mêmes erreurs en termes de gestion, en termes de typologie de logement, etc. Voilà, donc une vigilance aussi là-dessus. Merci, madame. Je crois que c'est une réflexion partagée assez largement. Alors, vraiment très, très, très court. Hein. Je vole juste une question, parce que c'est vrai que je trouve ça super intéressant de se dire qu'on... Enfin, ce que vous disiez, on a de la chance d'avoir de la marge, mais est-ce qu'on est si malin que ceux d'avant, enfin, est-ce qu'on est vraiment plus malin que les autres? Et finalement, d'être malin, c'est pas de se laisser un peu de temps et de pas tout faire d'un coup, quoi. Et puis peut-être, pour aller dans le sens de Bernard Prieur et des autres interventions, miser sur l'intelligence collective aussi. Romain Marchand, peut-être donc en forme de conclusion à ce débat dont on a vu que cette question de la densité, eh bien, évidemment, elle n'avait pas réponse à tout, mais elle nous a permis d'ouvrir tout un tas de tiroirs, de nous interroger sur la ville dans son ensemble et sur les équilibres à trouver pour qu'effectivement cette ville elle soit appréciable à vivre. Oui, alors, j'avais pas forcément prévu d'intervenir en conclusion, mais comme c'est vrai que l'heure tourne et puis que le débat a été passionné, c'est pas forcément évident d'avoir la possibilité d'intervenir plusieurs fois dans le débat, mais on pourra poursuivre. Je crois qu'il y avait un petit pot à boire au début, on pourra poursuivre de manière plus informelle à la fin. La première chose que je veux redire et réaffirmer, c'est que la densité, c'est en aucun cas un objectif. Et d'ailleurs, le maire, ni dans les assises de la ville, ni dans aucune intervention publique, n'a jamais dit « notre objectif, c'est de ». Simplement, c'est une projection, parce que la réalité de notre ville, c'est qu'on a des friches industrielles, qu'elles vont évoluer, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas appuyer sur un bouton en disant « on gèle tout, il ne va plus rien se passer ». Et donc, le choix qu'on a fait, c'est ce que rappelait le maire au début, c'est d'encadrer cette évolution plutôt que de laisser faire. Et oui, au regard des projets que nous avons engagés aujourd'hui, et non pas selon un objectif, mais au regard de ces projets, on projette effectivement la population d'Ivry vers environ 75 000 habitants. Mais ce n'est pas une course à l'échalote, on ne cherche pas à dépasser telle ville ou telle autre, c'est simplement une projection au regard du fait qu'on est une ville, et ça a été montré de manière très clairement par Madame Peloux tout à l'heure, on est la ville la moins dense de toutes les villes limitrophes de Paris. C'est notre histoire qui fait ça. Mais c'est aussi ce qui nous donne aujourd'hui à la fois la responsabilité et l'opportunité d'organiser cette urbanisation. Et donc ça nous donne beaucoup de marge de manœuvre, même si on ne fait pas tout tout seul et on ne décide pas de tout. La deuxième chose, c'est, ça a été dit par plusieurs, la densité est subjective. Le dire n'est pas renvoyer le débat sur la densité à un faux débat. Le dire, c'est dire que la perception qu'on peut avoir de la densité n'est pas forcément la même selon qu'on soit un tel ou un tel, selon la connaissance qu'on a des formes d'habitat. Vous citiez l'exemple de Joinville et puis je ne sais plus quelle autre ville, Saint-Denis. Moi, je pourrais vous donner un autre exemple très ivrien. Aujourd'hui, qui sait qu'à Ivry, aujourd'hui, il y a autant d'habitants qu'en 1975 Ivry a perdu beaucoup d'habitants depuis 1975 avec la désindustrialisation et n'a regagné des habitants que depuis les années 2000. Donc, je dis ça pourquoi ? L'idée que la vie se dégrade à Ivry parce que ces dernières années, il y a
des habitants qui sont arrivés et qui auraient gagné en population est fausse, puisque en 75, il y avait autant d'habitants qu'aujourd'hui. Donc ça veut bien dire que la question n'est pas combien on est, la question c'est tout ce qu'il y a autour et comment on vit ensemble. Et dans la dégradation ressentie par un certain nombre de gens, alors on parle souvent plus souvent des trains qui n'arrivent pas à l'heure que de ceux qui arrivent à l'heure. J'ose penser quand même qu'il y a un certain nombre d'Ivriens qui sont satisfaits de leur ville et qui vivent bien. Mais j'entends qu'il y a des phénomènes de dégradation de la qualité de vie. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées à la dégradation de la vie tout court. La vie est plus dure qu'avant. En 1975, il n'y avait pas le taux de chômage qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de difficultés sociales qu'il y a aujourd'hui. Il y avait peut-être aussi des réseaux de sociabilité, de solidarité qui étaient plus forts qu'aujourd'hui, même si je crois que notre ville, elle en garde quand même plus que la moyenne. Donc, il faut qu'on se pose la question de comment on vit ensemble. Et donc, je crois que c'est vous qui le disiez, la densité, c'est pas vraiment le sujet, c'est comment est-ce que on vit ensemble. Mais on a voulu faire ce débat un peu de façon frontale, parce que quand on nous attaque, je dis attaque avec des guillemets, mais quand on nous attaque, on nous dit pas, comme tu l'as dit, ou pas assez souvent, comme tu l'as dit aussi, il n'y a pas assez de culture à Ivry, il n'y a pas assez de services publics, il n'y a pas assez de citoyenneté, il n'y a pas assez de vivre ensemble. On nous dit vous bétonnez. Mais l'idée du débat de ce soir, c'était de montrer que ça n'a pas de sens d'accuser sur ce sujet de la bétonisation. La question, c'est qu'est-ce qu'on construit, pour qui on le construit, et à quelles conditions on peut faire en sorte que ce qui se construit nous permette de garder ce qui, je crois, fait l'âme d'Ivry, c'est-à-dire l'accès à la culture, l'accès au sport. Je veux dire, une ville de 60 000 habitants où il y a 5 théâtres, le Luxy. Alors, on va pas se mettre à citer tous les équipements culturels, parce que sinon, la soirée va encore s'allonger. Mais... Attends, je termine. Je vais y venir sur Ivry. Ensuite, vous pourrez poursuivre cette discussion donc autour d'un verre. Je vais en parler d'Ivryport, mais ce qui, je crois, fait l'âme de cette ville, c'est-à-dire ces pratiques de service public et de citoyenneté du vivre ensemble, c'est comment on garde ça dans cette ville qui se transforme, qui, c'est vrai, accueille des habitants, mais qui se transforme profondément. Donc, et moi, ce qui m'intéresse dans la discussion de ce soir, et je la trouve intéressante pour ça, c'est qu'elle pose cette question-là. Et on sort, je ne sais plus qui le disait, c'est Béatrix, on sort des logiques d'affrontement entre les besoins, il faut répondre aux besoins. Il y a 8500 demandeurs de logement aujourd'hui à Ivry, et quand je dis 8500, c'est 8500 demandeurs de logement à Ivry, c'est-à-dire des gens qui sont déjà à Ivry, qui sont mal logés et qui ont besoin d'un logement. Si je parle de ceux qui veulent venir, qui sont en région parisienne et qui veulent venir à Ivry, on est plutôt autour de 30 000. Donc il faut bien répondre aux besoins de notre propre population, et ça c'est comment on organise les choses ensemble. Donc comment on vit bien en ville, l'âme de cette ville, etc. C'est moins facile, j'ai oublié mon cahier, donc je suis obligé de noter sur le téléphone, et c'est moins pratique. Comment on vit bien ensemble, c'est pour partie une question d'aménagement de la ville, c'est vrai, parce que dans les projets qu'on fait, il faut prévoir les équipements publics, les espaces publics, etc. Au passage, sur Ivryport, je cite ce chiffre parce que quand même, on a raison de dire qu'il n'y a pas de culture, il n'y a pas assez de culture à Ivryport, il n'y a pas assez d'espaces verts, mais... au départ, avant qu'on fasse Ivry Confluence, il y a 0,4 hectare d'espace vert public à Ivryport. On part d'un quartier industriel. Il y a zéro équipement culturel. Il y a les bergers qui sont à côté de Jean-Jacques Rousseau. Mais on part de rien parce que c'était un quartier dont la fonction n'était pas un quartier de ville, c'était un quartier industriel. Et donc, dans le projet, dans la version initiale, on multipliait déjà par 22 ces espaces publics. Et avec le nouveau projet, alors je ne sais pas pourquoi tu parles de bétonisation des berges de Seine, parce que c'est tout l'inverse qu'on va faire. On va aménager un grand espace vert public de bord de Seine qui va faire 12 hectares. Alors, il n'est pas fait aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, c'est du béton qu'on a peint, mais parce qu'on a enlevé les voitures, on les a envolées au mois de juin. Donc, entre le mois de juin et le mois de juillet, on n'avait pas le temps vraiment encore de gratter le béton et de commencer à planter des arbres. Mais petit à petit, on va aménager cet espace. Et... Madame, derrière, vous disiez on ne fait rien sur la Seine. Mais c'est aussi l'histoire. On commence tout juste, en fait. Alors, vous n'êtes pas là depuis longtemps, donc vous n'avez pas l'antériorité, mais on commence tout juste. Et je peux vous dire, moi qui me promène pas mal en vélo en Ile-de-France le week-end, nous sommes la seule ville du linéaire de la Seine quand on part de Viry-Châtillon, donc du bout du T12. Nous sommes la seule ville qui avons l'opportunité de piétoniser et de végétaliser les bords de Seine comme on va le faire à Ivryport. Hein. Toutes les autres, il y a des voiries et il y a des bâtiments qui sont construits en bord de Seine. Alors les gens qui habitent là, ils sont très contents,
mais côté espace public et partage de la Seine, c'est zéro. Et j'aimerais bien des fois qu'on reconnaisse que dans le choix urbain qui a été fait d'Ivry-Confluence, il y a peut-être plein de choses à critiquer, mais il y a ce choix majeur de rendre la Seine aux habitants. Et oui, ça va prendre du temps pour le faire. On ne va pas le faire en 5 minutes. La première étape, là, ça a été de piétoniser. Et ce n'est pas encore extraordinaire, mais ça, déjà, ça ouvre des perspectives. Et petit à petit, on va aménager les choses pour regagner cet espace. Dernière chose que je veux dire, c'est le sens du débat de ce soir, c'était justement, je le disais, d'essayer d'arrêter d'opposer et d'avoir ce débat de façon un peu binaire. Parce que on comprend qu'il y a des choses qui sont mal ressenties dans les projets urbains et probablement que tout n'est pas parfait. Et en même temps, moi, je trouve que l'accusation de bétonisation et de concentrer le débat sur la densité, il n'est pas productif. Et donc, l'invitation peut-être que nous donne la discussion de ce soir, c'est de poursuivre sur le comment on fait la ville ensemble et la garantie qu'on vous donne, quels que soient les choix qu'on fera, la garantie qu'on vous donne, c'est que ces projets, ils se feront toujours avec vous. C'est comme ça qu'on a conçu la conférence climat avec l'Assemblée citoyenne. C'est comme ça qu'on a toujours fonctionné dans les opérations d'aménagement. Alors, certes, à notre corps défendant, il y a quand même eu 2 années de Covid. On ne pouvait plus faire de réunions publiques. On a tenté des réunions en visio, c'est quand même pas terrible. Donc, maintenant qu'on peut recommencer, vous voyez, on est là ce soir. La salle est passionnée et chaude, donc on va le faire. Voilà. On vous a bien compris et vous poursuivrez cette discussion tout à l'heure. On pourra en reparler. Voilà. Donc, la garantie qu'on vous donne, c'est de continuer ce débat ensemble. Et donc, je vous propose qu'on commence tout de suite. Je termine en remerciant vraiment de leur contribution Patricia Pelou et Carmen Santana. C'était un exercice pas facile qu'on leur a demandé. Mais merci de votre venue à Ivry. Et puis, bonne soirée à tous. Merci. Merci à tous pour ce débat qui a été particulièrement dense, si je peux continuer à filer la métaphore. Et je vous rappelle, donc, 10 novembre, dans la salle du Conseil municipal, la restitution des propositions après les arbitrages, propositions qui seront soumises au vote du 25 au 2 décembre, avec à partir du 27 une foison d'initiatives pour la semaine pour le climat à Ivry, on agit, et le samedi 4 à partir de 14h à la manufacture des œillets, proclamation des résultats et des engagements à venir. Ben, vous voyez, vous entendez peut-être, vous, sur Internet, que ça continue à débattre à l'espace Gérard Philippe. On va le faire dans la salle. Vous pouvez le faire avec vos commentaires sur le fil des posts Facebook. Et puis, le débat continue. Bonne soirée à toutes et à tous.